La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à interdire la maltraitance sur les animaux de compagnie par l'utilisation de colliers, étrangleurs et électriques. La conférence des présidents a décidé que ce texte serait examiné dans son intégralité selon la procédure de législation en commission. En application de l'article 107, alinéa 3 du règlement, nous entendrons tout d'abord les interventions de la rapporteure de la commission, du gouvernement et de la vice-présidente de la commission, puis les explications de vote des groupes. Nous passerons ensuite directement au vote sur l'ensemble. La parole est à Madame Corinne Vignon, rapporteure de la commission des affaires économiques, pour une durée ne pouvant excéder 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la représentante du Président de Commission, mes chers collègues. Je suis très heureuse que nous abordions aujourd'hui dans cet hémicycle la question du bien-être animal, si importante aux yeux de nos concitoyens. Le législateur s'est emparé à plusieurs reprises au cours de ces dernières années de cette problématique essentielle dans le cadre de la loi Egalim, ou dans celui de la loi contre la maltraitance animale votée en 2021. Je tiens à saluer les rapporteurs, Loïc Dombreval, Dimitri Houbron, Laetitia Romero-Diaz, ainsi que notre présidente de groupe, Aurore Berger, dont l'engagement constant sur ce sujet a permis d'avancer importante. Je salue également les professionnels et les associations de protection animale, en particulier la Fondation Brigitte Bardot, qui a particulièrement mené un travail de fond sur cette question qui nous intéresse aujourd'hui. En 1896, Émile Zola s'interrogeait sur son amour des bêtes, écrivant que « C'est à la souffrance qu'il faut déclarer la guerre, l'abominable souffrance que l'humanité devrait s'efforcer de réduire le plus possible d'une lutte continue, la seule lutte à laquelle il serait sage de s'entêter. » C'est au fond à cet appel que nous répondons depuis plusieurs années en nous efforçant par la loi de réduire, de supprimer les souffrances animales. Le texte que nous allons discuter aujourd'hui apporte une pierre supplémentaire, modeste mais essentielle, à cette lutte contre la souffrance des animaux. Car il est bien question, avec les colliers à décharge électrique, les colliers étrangleurs et les colliers à pointe, de souffrance. Sur ce point, aucun débat. Les vétérinaires et la communauté scientifique sont absolument unanimes et dénoncent les souffrances physiques et psychiques infligées aux animaux par l'utilisation de tels accessoires. Des études, nombreuses et concordantes, démontrent qu'ils entraînent de graves lésions physiques et psychiques. J'ai projeté en commission des photos insoutenables, transmises par des vétérinaires, de brûlures et de perforations de peau résultant de l'utilisation des colliers électriques et à pointe. L'instruction générale du bureau nous interdit de présenter ces images dans l'hémicycle, mais quelques mots suffiront à vous convaincre de la nécessité d'interdire ces colliers. Une utilisation que l'on pourrait qualifier de « normale » des colliers à choc électrique, je mets ce mot entre guillemets, entraîne des conséquences physiologiques importantes avec des comportements de stress, de terreur, d'anticipation de la douleur qui modifient durablement le comportement du chien même lorsque l'impulsion électrique n'a été envoyée qu'une seule fois. Sans parler des lésions importantes comme les brûlures et les pertes de poils. Quant aux colliers étrangleurs et à pointe, ils sont responsables de perforations de la peau, d'écrasement de la trachée, de la pression intraoculaire, d'instabilité cervicale, d'arthrose dégénérative ou encore de paralysie du nerf laryngé. Tout cela concourt à terme, à court terme, mais aussi à long terme, à dégrader l'état psychique et physique du chien. Ces colliers se transforment en véritables instruments de torture lorsqu'ils sont utilisés par des propriétaires mal informés ou malveillants. On nous a rapporté des cas, trop nombreux pour être anecdotiques, de colliers fixés sur les parties génitales du chien ou de pointes aiguisées pour être plus douloureuses.
De manière plus générale, les études démontrent que le réglage de la puissance des colliers électriques est systématiquement inadapté, avec une tendance du maître à augmenter rapidement la violence et la décharge pour obtenir l'obéissance de l'animal. Or, ces colliers sont très largement utilisés en France. Un chien sur quatre en est équipé ou en a été équipé, selon une étude publiée en 2018. Ce sont donc des objets très accessibles, placés entre les mains d'un public très large et qui sont acquis sans aucune information de leur dangerosité et leurs effets réels sur le chien. Ils se présentent pour les maîtres, dont il ne faut pas sous-estimer la détresse, comme une solution rapide à des problèmes complexes. Ce que je souhaite vraiment dire aux propriétaires qui utilisent ces colliers, que ce soit dans le cadre de l'éducation de leurs chiens ou pour limiter les aboiements qui peuvent poser des problèmes de voisinage, c'est que ces colliers ne font qu'accroître des difficultés qu'ils prétendent résoudre. Il est faux de croire qu'ils permettent de régler des problèmes de comportement auxquels les maîtres peuvent être confrontés. Au contraire, les études convergent pour montrer qu'ils contribuent au développement de comportements dangereux parce que l'animal stresse, souffre et devient agressif. Le risque de morsure est ainsi accru. Malheureusement, ce sont souvent les enfants qui en sont les victimes les plus graves. La question des colliers coercitifs devient alors un enjeu de sécurité publique. Leur usage généralisé sur des chiens souvent hypersensibles ou hyperactifs, que l'on cherche ainsi à maîtriser, tend à aggraver les problèmes de comportement. Vous multipliez ainsi les risques de morsure, mais aussi d'abandon par des maîtres dépassés par la situation, abandon qui finit souvent en euthanasie. Chers collègues, permettez-moi d'insister sur ce point. Nos refuges sont littéralement saturés de chiens aux comportements inadaptés, notamment des staffs, des malinois, sur lesquels les colliers coercitifs ont été systématiquement utilisés. Or, non seulement ces colliers ne sont pas efficaces, non seulement ils sont contre-productifs, mais ils sont d'autant plus injustifiables qu'il existe des alternatives respectueuses du bien-être animal et dont l'efficacité en matière d'éducation canine a été largement démontrée. Je pense à des méthodes de dressage positives, mais aussi à certains types de harnais qui permettent de faire face à des difficultés de comportement sans blesser l'animal. Il est donc largement temps de faire cesser cette souffrance et de pleinement respecter les dispositions du droit européen et national qui prohibent, dans le cadre de l'éducation de l'animal, le fait de leur infliger des souffrances. D'autres pays l'ont déjà interdit, pour des motifs que je viens de développer. Je pense au Danemark, à l'Australie, à l'Allemagne, à la Suisse, à l'Autriche, à la Slovénie, à l'Angleterre, à la Finlande, à la Suède, à l'Écosse et tout récemment à la Belgique. Nos travaux en commission ont montré que ce sujet nous rassemblait, par-delà les habituels clivages politiques. Je salue mes collègues de l'ensemble des groupes pour la qualité des discussions que nous avons eues. Ces échanges constructifs nous ont permis de préciser le champ d'application, de fixer les sanctions et d'assurer l'application directe et immédiate du texte dès la promulgation de la loi sans passer par les décrets. Cette proposition de loi, mes chers collègues, peut sembler modeste par son sujet. Il ouvre cependant le champ de la réflexion à des sujets plus vastes et aura des conséquences indirectes importantes. En interdisant le recours de cette solution de facilité que sont les colliers coercitifs, elle encourage la généralisation des méthodes de dressage canin plus respectueuses de l'animal. Elle est également l'occasion de s'interroger sur la formation des éducateurs canins et la nécessité d'encadrer cette profession afin d'en garantir une certaine uniformité. Enfin, mes collègues, le texte sur lequel nous allons nous prononcer constitue une étape de cette guerre contre la souffrance animale dont parlait Émile Zola et qui est à notre honneur, tant la manière dont nous traitons les animaux constitue un révélateur de la société que nous formons. Comme le disait le poète britannique George Gordon Byron,
dans la vie, le plus sûr des amis, le premier à vous accueillir, le premier à vous défendre, celui dont le cœur honnête appartient pour toujours à son maître, qui travaille, se bat, vit et respire pour lui seul, c'est le chien. Alors soyons bienveillants avec l'animal comme il l'est avec nous. Stoppons la maltraitance même involontaire et unissons-nous autour de ce texte modeste mais attendu qui marque une étape importante car il répond à une demande forte et profondément juste de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, l'amélioration du bien-être animal et la lutte contre la maltraitance sont des attentes sociétales de plus en plus fortes. C'est dans ce cadre que, sous l'impulsion du Président de la République, depuis 2017, des gouvernements successifs, nous avons agi concrètement dans ce domaine. Et je voulais vous en faire quelques points avant d'évoquer la PPL elle-même. Plan abattoir. Plan de lutte contre l'abandon des animaux de compagnie, fin de la castration à vif des porcelets, fin du broyage des poussins, investissement pour le bien-être et la biosécurité en l'élevage. Tout cela, ce sont des avancées concrètes pour lesquelles nos actions nous formons sans doute souvent des précurseurs. De nombreuses actions ont également été entreprises ces dernières années s'agissant des animaux de compagnie. Vous l'avez évoqué, Madame la rapporteure, avec notamment une évolution du dispositif législatif et réglementaire à la suite de l'adoption de la loi du 30 novembre 2021, j'aurais salué effectivement dans votre succession, Monsieur Houbron, Madame Diaz, Monsieur Dombreval et Madame Berger, qui ont beaucoup œuvré pour cette PPL, qui visait elle aussi à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes et les femmes. L'adoption de cette loi a d'ores et déjà permis de durcir les peines pour abandon ou tout acte de maltraitance animale. Les décrets déjà publiés permettent de renforcer la sensibilisation des futurs propriétaires d'animaux avec la signature d'un certificat d'engagement et de connaissance au moins 7 jours avant l'achat ou le don d'un animal de compagnie. Ils organisent la limitation des offres de cession en ligne aux éleveurs et animaleries. Une sensibilisation concernant les animaux de compagnie sera enfin introduite au service national universel et dans l'enseignement d'éducation morale et civique à l'école. On sait que la question de la pédagogie, vous l'avez évoqué, est un sujet important. Ces avancées législatives et réglementaires sont également confortés par des moyens importants portés par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Ce sont en effet un total de 35 millions d'euros qui ont été dédiés à la lutte contre l'abandon par l'amélioration des conditions d'accueil et l'appui aux campagnes de stérilisation. Plus de 500 projets ont été ainsi accompagnés partout en France. Près de 30 millions d'euros ont été directement attribués aux associations de protection animale qui prennent en charge des animaux abandonnés afin qu'elles agrandissent ou rénovent leurs refuges ou encore qu'elles conduisent en partenariat avec les maires et les mairies des campagnes de stérilisation de chiens et de chats errants. 5 millions d'euros ont également été servis à financer les soins des animaux des personnes démunies ou sans domicile fixe de façon à favoriser le suivi vétérinaire de ces animaux et plus spécifiquement encourager des stérilisations. Par ailleurs et enfin, pour optimiser l'action des associations de protection animale, des aides au sein de cette même enveloppe de 5 millions d'euros sont attribuées aux associations nationales à qui nous avons confié la mission d'assurer la formation et la sensibilisation des associations locales. Toutes ces actions trouveront donc leur prolongement en 2023, puisqu'un million d'euros supplémentaires est prévu en soutien aux refuges et associations de protection animale dans le cadre de la loi de finances pour 2023. Je voudrais souligner l'action au quotidien des agents du ministère de l'Agriculture en faveur de la lutte contre la maltraitance animale que nous avons en partage. En matière de contrôle, d'une part, qu'il s'agisse des agents des DDESPP ou de la Brigade nationale d'enquête vétérinaire et phytosanitaire. En 2021, pour ne donner que ce chiffre, près de 1600 inspections ont été réalisées dans les lieux de détention accueillant des animaux de compagnie, animaleries, refuges, fourrières, et plus de 5000 inspections pour les animaux de production. En accompagnant le changement des pratiques, d'autre part, je pense par exemple aux cellules départementales opérationnelles de lutte contre la maltraitance animale en lien avec les représentants des professionnels agricoles et vétérinaires locaux et qui ont pour but d'identifier les éleveurs en situation de mal-être pouvant se retrouver
dans la capacité de s'occuper dignement de leurs animaux. Je le disais donc en introduction, l'amélioration du bien-être et la lutte contre la maltraitance animale sont des priorités et les services de mon ministère sont pleinement mobilisés en ce sens. Vous citiez, Madame la rapporteure, Émile Zola. C'était au 19e siècle. Et je voudrais dire qu'au 19e siècle, toujours, la première loi de protection animale était votée. C'était le 2 juillet 1850. C'était la loi dite Gramont, dont l'article unique était « seront punis d'une amende de 5 à 15 francs et pourront l'être d'un à 5 jours de prison ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques ». C'était il y a 170 ans. Seule la maltraitance animale exercée en public était alors pénalement répréhensible. Nous mesurons donc depuis le chemin qui a été parcouru et cela montre la nécessité d'avoir une action continue. Cela démontre que la lutte contre la maltraitance animale, c'est un combat de tous les jours à mener dans le temps long, fait d'avancées successives. Et c'est ça qui est bien important. Je remercie donc, et je voudrais vous remercier en particulier Madame la députée Corinne Vignon d'avoir fait aboutir cette proposition de loi visant à avancer dans ces domaines en interdisant la cession et l'utilisation de colliers électriques, étrangleurs et à pointe. Cette proposition de loi s'inscrit pleinement dans cette approche graduelle d'amélioration continue souhaitée par le gouvernement en ce domaine. Je voudrais partager aussi ce que vous avez dit sur le travail qui a été fait en commission et le travail de collaboration et de coopération qui a été fait sur ce texte. Les avis scientifiques sont unanimes, vous l'avez rappelé, pour pointer l'impact négatif de ces colliers dits de dressage sur l'intégrité des chiens ou des chats. Leur achat et leur utilisation seront donc désormais interdits dans notre pays, comme c'est déjà d'ailleurs le cas, vous l'avez dit, par exemple, au Danemark, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Slovénie, en Angleterre, en Finlande, en Suède ou encore en Australie, et qui ont déjà procédé à une interdiction ou à une réglementation stricte de l'utilisation de ces colliers. Je salue donc les travaux que vous avez menés et qui ont permis de préciser la portée de ce texte, par exemple en intégrant une exception à cette interdiction pour les opérations de capture d'animaux dangereux ou errants, mais également pour les chiens des armées faisant l'objet d'un entraînement spécifique au regard des missions particulières qui leur sont assignées. Comme vous le savez, je suis très attentif à toujours trouver un juste équilibre dans la conception et le déploiement des politiques publiques portées par mon ministère. Je salue donc l'esprit de compromis et de concertation qui a prévalu dans les débats parlementaires, ayant permis l'adoption de ce texte équilibré et efficace dans sa réduction et immédiatement opérationnel dès lors qu'il aura effectué sa navette. Cette proposition de loi constitue donc une avancée attendue par nos concitoyens en faveur de la lutte contre la maltraitance animale et je vous en remercie. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Laurence Pétel, vice-présidente de la Commission des affaires économiques pour une durée ne pouvant excéder 5 minutes. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. La Commission des affaires économiques a examiné la semaine dernière la proposition de loi de notre collègue Corinne Vignon visant à interdire la maltraitance sur les animaux de compagnie par l'utilisation de colliers étrangleurs et électriques. Ce texte est attendu par les associations de protection animale et par nos concitoyens sensibles à cette cause. Ces derniers étant de plus en plus nombreux, il est fondamental que nous prenions mieux en compte le bien-être animal dans nos politiques publiques. Déjà, en novembre 2021, nous avions proposé et voté la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Cette loi a été saluée par les associations comme une avancée historique pour la condition animale en France, car elle a inscrit dans le droit des mesures fortes, comme l'interdiction de la vente des chiots et chatons en animalerie, l'encadrement de la vente d'animaux en ligne pour lutter contre les achats impulsifs, le certificat de connaissance avant l'acquisition d'un animal de compagnie, l'aggravation des sanctions en cas de sévices graves, d'actes de cruauté ou d'abandon, ou encore l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques itinérants et des cétacés dans les delphinariums. C'est donc aujourd'hui une nouvelle étape dans la défense du bien-être animal que nous vous proposons. Ce texte souhaite interdire tout dispositif à décharge électrique, étrangleur, sans boucle d'arrêt ou à pointe. Ces colliers étrangleurs électriques ou à pointe sont actuellement interdits, mais une dérogation subsiste en cas de nécessité absolue. En une seule recherche sur Google, nous pouvons commander toute une gamme de colliers de ce type sans avoir à aucun moment à en démontrer cette fameuse nécessité absolue.
De fait, cette facilité d'accès rend caduque le droit en vigueur et nous impose donc de le modifier. Sur le fond, certaines personnes utilisant ces dispositifs sont convaincues, à tort, qu'il s'agit d'un simple outil de dressage relativement inoffensif pour leur animal. Les études scientifiques démontrent tout le contraire, et s'il n'est pas question de porter un jugement moral sur eux, il est nécessaire de ne pas laisser subsister cette idée, entretenue de facto par l'autorisation d'usage et la facilité d'accès. La réalité de leur usage est pourtant celle d'un risque pour la santé des chiens, par la pression exercée autour du cou du chien. Ce sont donc irritations, lésions oculaires, problèmes respiratoires, asphyxie et lésions graves qui sont provoquées. Un article scientifique de 2017 note que les colliers à chaîne, étrangleurs et torcatus, qui exercent une pression forte au niveau du cou du chien, augmentent sa pression oculaire. Ils peuvent également être responsables de blessures au niveau de la trachée ou encore d'exophtalmie. Il est également démontré que ces dispositifs, en suscitant la crainte et la souffrance chez l'animal, le conduisent à des réactions impulsives, le poussant parfois à mordre son entourage proche. Les alternatives comme les harnais ou les simples laisses qui contrôlent également les comportements indésirables des chiens sans mettre en danger leur santé ni leur causer de souffrances inutiles existent déjà. Il serait donc incompréhensible de considérer qu'il est nécessaire de prendre le temps de la transition pour que les éleveurs, dresseurs et propriétaires puissent changer leurs habitudes. Lors de l'examen en commission des affaires économiques, Madame la rapporteure, vous nous avez présenté des photos particulièrement choquantes de blessures graves infligées aux animaux porteurs de ces dispositifs, démontrant si cela était nécessaire les souffrances physiques qu'engendrent ces colliers doivent être éradiquées. Nous sommes donc loin de l'idée qu'il s'agirait d'outils de dressage respectueux des animaux. Par ailleurs, la commission des affaires économiques a fait évoluer le texte en étendant le champ de l'article, désormais unique à tous les chiens et chats, en restreignant l'interdiction aux colliers dont les pointes sont tournées vers le corps de l'animal, en élargissant son champ d'application à la cession, y compris en ligne, en portant l'amende à 750 euros pour les personnes physiques et 3750 euros en cas de récidive ou de manquement pour une personne morale. Enfin, les dérogations pour les services et unités des armées utilisateurs de chiens et pour les opérations de capture d'animaux dangereux et errants par les autorités administratives, ainsi que l'entrée en vigueur du texte dès sa promulgation, permettent d'aboutir sur un texte équilibré que l'ensemble des groupes peut adopter. En matière de lutte contre la maltraitance animale, il n'y a pas de mesure qui serait anecdotique, marginale ou superflue, car à l'heure où les maltraitances envers les animaux augmentent, 12 000 infractions constatées en 2021, soit une progression de 30% depuis 2016, chacun reconnaît que la violence contre les animaux est le reflet d'une société qui s'habitue à la cruauté. Parce que nous ne voulons pas nous habituer à la cruauté, parce que nous considérons la question animale comme une préoccupation de premier plan, le groupe Renaissance soutient donc cette proposition et se réjouit du volontarisme de tous les amis des animaux qui, sur tous les bancs de cette Assemblée, permettront ce soir de franchir une nouvelle étape dans la lutte contre la maltraitance animale. Merci. Merci, Madame la Vice-Présidente. Nous en venons aux explications de vote. Pour le groupe Les Républicains, Monsieur Dino Cinieri. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Monsieur le Ministre, chers collègues, le statut juridique de l'animal a beaucoup évolué au cours des dernières décennies et c'est heureux. Le 18 janvier 2015, l'Assemblée nationale a en effet adopté le projet de loi relatif à la modernisation du droit qui reconnaît l'animal comme un être vivant, doué de sensibilité et non plus comme un objet ou bien un meuble. Par ailleurs, alors que le droit pénal punissait déjà les sévices graves, les actes de cruauté commis sur les animaux ou le fait de causer par maladresse ou négligence la mort d'un animal, la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes a aggravé les peines encourues. Selon l'article 7 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie,
Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelle ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses. Pourtant, les dispositifs maltraitants continuent d'être utilisés pour éduquer et contrôler les chiens, parmi lesquels des colliers électriques et des colliers étrangleurs. Utilisés pour empêcher les aboiements et les fugues, les premiers sont équipés d'une télécommande pour être actionnés à distance, laquelle propose plusieurs fonctions, avertisseurs sonores, vibreurs et plusieurs niveaux de décharge électrique. Les seconds ont pour but d'apprendre au chien à ne pas tirer sur sa laisse. Plus il tire, plus le collier se resserre autour de son cou. Le collier à pointe affûtée en est une variante qui blesse l'animal jusqu'au sang. C'est inacceptable. Plusieurs études scientifiques et des vétérinaires ont dénoncé l'usage de ces colliers qui causent aux chiens des dommages physiques, mais aussi psychiques, la peur, le stress, l'agressivité. Alors qu'ils le sont déjà dans plusieurs pays, ces colliers doivent être interdits en France. Il existe bien d'autres moyens d'éducation plus respectueux de l'animal. Lors des débats en commission, j'ai entendu certains mots qui m'ont fait frémir. Au terme de dressage et de dresseur, je préfère ceux d'éducation et d'éducateur. Il y a toujours eu des bons et des mauvais maîtres, des bons chiens et d'autres à fort caractère qui ont besoin d'éducation. On dresse des animaux sauvages, mais on éduque des animaux de compagnie. D'après mon expérience, la main est un outil suffisant pour récompenser ou punir. Si un chien est exposé à la douleur ou à une domination pendant l'entraînement, il présentera davantage de symptômes de stress et sera dès lors moins disposé à un apprentissage. La punition pendant la formation est extrêmement contre-productive. Le chien peut développer une peur de certains objets, personnes ou situations. Des études montrent que la punition est associée à la personne qui la sème et qu'elle est stressante pour le chien. Cela a un effet négatif sur la relation entre le chien et son propriétaire. Il est donc d'autant plus important d'éviter la douleur et la domination lors de l'entraînement des chiens afin de construire une relation étroite et de qualité. L'éducation positive du chien va nécessiter un investissement plus important du maître en termes de temps et d'effort. Toutefois, les bases obtenues grâce à cette approche éducative ont un effet positif à long terme sur le comportement du chien et sur la relation entre le maître et l'animal. Il faut créer une véritable familiarisation. Il appartient au propriétaire d'un chien de le socialiser et de l'entraîner tout en respectant son histoire et son identité. Je veux rappeler que ce combat contre les actes de maltraitance est porté depuis de nombreuses années, aussi par notre collègue Meyer Habib. Il a en effet déposé en juillet 2018 une proposition de loi visant à interdire la vente libre des colliers à pointe et colliers de dressage par stimulation électrique. Cette proposition de loi, que j'avais bien évidemment co-signé avec plus de 50 députés issus de tous les bancs, ou presque, n'a malheureusement pas pu être examinée lors de la 15e législature. Enfin, Madame la rapporteure, il pourrait être utile au cours de la navette entre le Sénat d'ajouter une disposition pour mieux informer les maîtres en matière d'éducation positive. Merci de conclure, cher collègue. J'ai presque fini, Madame la Présidente. Car ils sont démunis face à un chien difficile à éduquer. Madame la Présidente, Madame le rapporteur, Monsieur le Ministre, chers collègues, le groupe LR votera bien évidemment en faveur du texte qui nous est soumis aujourd'hui. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Anne-Laure Babot pour le groupe démocrate.
Merci beaucoup. OK. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, l'examen de ce texte devant la représentation nationale est une nouvelle étape d'une longue évolution de notre rapport à la nature qui s'est accélérée durant les dernières années. La crise du climat et la crise de la biodiversité nous rappellent que le monde n'existe pas seulement pour nous servir. Il est le fruit d'une évolution qui dure depuis des milliards d'années et qui a vu émerger à égalité la vie humaine et la vie animale. Nous redécouvrons au détour des feux de forêt, des sécheresses et autres ravages climatiques que l'humanité n'est pas dissociée de la biodiversité. Ainsi, loin de la pensée commune issue de la révolution industrielle selon laquelle la nature, sous sa forme végétale, minérale ou animale, constitue purement un moyen de production, nous nous rappelons alors que les animaux ne sont pas seulement des biens meubles que l'on peut s'échanger simplement, dont on peut se servir ou se débarrasser à l'envi. Ils sont dotés d'une sensibilité, d'une capacité à ressentir des émotions, à percevoir la douleur et à rechercher leur propre préservation. Cette considération renforcée pour la protection de la condition animale s'est manifestée avec force dans notre droit en 2015 avec l'adoption de la réforme du statut juridique des animaux. Désormais reconnus comme êtres vivants doués de sensibilité, le législateur est fréquemment amené à légiférer sur la question du bien-être des animaux. En la matière, le précédent quinquennat a considérablement fait avancer la cause animale, notamment avec le vote de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, impulsé notamment par notre ancien collègue Loïc Dombreval. Néanmoins, beaucoup de choses restent aujourd'hui à faire et cette proposition de loi nous permet de poser une nouvelle pierre à un édifice dont la construction est loin d'être achevée. Aujourd'hui encore, trop de nos concitoyens décident d'adopter ou d'acheter des chiens, des chats ou d'autres animaux sans avoir réellement conscience de la responsabilité que cela implique. Chaque été, nous subissons la nécessaire campagne de communication de la Fondation 30 millions d'amis qui nous alerte sur les abandons d'animaux à l'occasion des vacances estivales. Chaque année, c'est plus de 40 000 abandons et près de 10 000 actes de cruauté envers les animaux qui sont recensés par les autorités compétentes. L'instauration récente d'un certificat par lequel les détenteurs d'animaux attestent de leur engagement et de leur connaissance des besoins spécifiques de l'animal est une première avancée dont nous devons scruter les effets à court et à moyen terme. Nous devons également poser la question des tarifs des vétérinaires qui aujourd'hui sont un frein à l'adoption pour certaines personnes isolées pour lesquelles les animaux de compagnie représentent un réconfort important. Ils représentent également une charge importante pour certains propriétaires aux revenus modestes. Les animaux de compagnie sont pourtant un magnifique lien social. Plus globalement, nous aurons également à traiter de la question de l'élevage et de l'enjeu de la part de la viande dans notre alimentation. Fortement émettrice de gaz à effet de serre et pouvant provoquer des pathologies si elle est consommée en trop grande quantité, nous devons sensibiliser les Français à une alimentation de qualité tout en accompagnant les éleveurs et les animaux d'élevage dans cette transition. Pour revenir plus spécifiquement sur la question des colliers qu'on pourrait qualifier de punitifs et qui visent à dresser les animaux par la peur, j'aimerais d'abord remercier Madame la rapporteure Corinne Vignon pour son travail et cette proposition que, bien sûr, le groupe démocrate soutiendra. Cette interdiction des colliers punitifs apparaît comme une mesure de bon sens, non seulement parce qu'ils provoquent des souffrances aux animaux, mais également parce que leur efficacité pour adapter le comportement animal n'est pas démontrée. J'attire cependant l'attention de l'Assemblée et du ministre, le délai qui nous sépare de la mise en œuvre de l'interdiction doit nous permettre de faire de la pédagogie auprès des particuliers pour les inciter à mieux connaître les comportements de leurs animaux et les méthodes d'éducation conformes à leur bien-être et à l'équilibre de la relation maître-chien. En conclusion, l'amour inconditionnel d'un chien à son maître ne mérite aucunement la maltraitance ou l'abandon. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Arthur Delaporte pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, chers collègues.
Permettez-moi tout d'abord d'excuser mon collègue Philippe Naillet, retenu à la réunion qui a suivi ce texte pour le groupe socialiste et apparenté et que je salue bien amicalement. L'un des principaux enjeux de notre siècle pour l'humanité et pour notre environnement au sens large, environnement que nous avons par ailleurs trop souvent et trop longtemps considéré comme notre chose, qu'il s'agisse des espèces végétales de la planète ou des espèces animales dont nous parlons aujourd'hui. Nous examinons donc un texte de notre collègue Corinne Vignon qui s'attaque à une pratique barbare contre les chiens et les chats, celle de l'utilisation de colliers étrangleurs électriques. Les chats et les chiens sont 17 millions dans notre pays, preuve, s'il en fallait, de la place centrale des animaux dits de compagnie dans le quotidien des Françaises et des Français. Ce texte s'inscrit pleinement dans une meilleure prise en compte du bien-être animal, de l'interdiction des souffrances inutiles et des violences et sévices contre les animaux. Depuis l'introduction dans notre droit de la notion d'être vivant doué de sensibilité, le législateur a logiquement tenu compte de cet enjeu nouveau, écologique bien sûr, mais philosophique aussi. Cette proposition de loi s'attaque donc au sujet spécifique de l'usage des colliers coercitifs utilisés par certains dresseurs et propriétaires. Ces colliers dits de dressage, électriques ou à pointe, en vente dans le libre commerce, visent à discipliner ces animaux par la souffrance physique, pouvant également entraîner une détresse psychique. Comme cela l'a été rappelé d'ailleurs lors de son examen en commission. Au-delà des questions morales et éthiques, il existe désormais un consensus scientifique sur l'inefficacité de ces outils sur le plan du dressage et de la discipline des animaux et sur la disproportion entre les souffrances qu'ils infligent et leur utilité supposée. Ce consensus a entraîné leur interdiction dans nombre de pays européens ou leur forte réglementation. Il est important d'ailleurs de rappeler aux personnes qui seraient tentées d'utiliser de tels objets pour tenter de discipliner les animaux que ces derniers ne sont pas des objets manipulables et la force et la violence ne sauraient apporter une solution, sinon l'échec et la cruauté. En théorie, l'usage de tels instruments est déjà encadré par notre réglementation qui l'interdit, sauf en cas de nécessité absolue, ce qui malheureusement ne limite ni la vente, ni l'absence de contrôle, qui est aujourd'hui difficile à mettre en œuvre. Mais c'est la question que nous posons aujourd'hui. En quel cas de nécessité absolue pourrait-on utiliser cette violence? Aucun, mes chers collègues. Cette proposition de loi vise en conséquence à introduire totalement la vente comme l'utilisation de tout dispositif sur un chien ou un chat à décharge électrique étrangleur sans boucle d'arrêt et dont les pointes sont tournées vers l'animal. La Commission a étendu l'interdiction prévue par l'article à la cession, y compris en ligne, à titre onéreux gratuit de ces dispositifs et a interdit toute publicité pour ces derniers. C'est une avancée, tout comme notre proposition de réécriture du régime des sanctions de façon à ce qu'il soit plus proportionné en y intégrant une amende concernant les vendeurs. Au nom de mon collègue Philippe Naillet et au nom du groupe socialiste, je salue donc la démarche consensuelle qui a permis d'aboutir à un texte en adéquation avec les enjeux de notre époque et surtout avec les enjeux de demain, mais surtout qui garantira donc dans le futur une approche vers l'éradication des violences envers les animaux que nous devons toutes et tous porter. Pour ces différentes raisons, le groupe des députés socialistes et apparentés votera pour cette proposition de loi. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Thierry Benoît pour le groupe Horizon. Merci, madame la présidente. Une expression au nom du groupe Horizon pour dire que naturellement les députés du groupe voteront cette proposition de loi. Dire aussi que logiquement, nous ne devrions pas avoir à voter ce type de proposition de loi. Tout ça parce que ce sont les êtres humains qui ont un comportement inapproprié. Et pour celles et ceux qui vivent aux côtés d'animaux, que ce soit des animaux de compagnie d'ailleurs, ou des animaux de travail, des chiens de garde, des chiens de troupeau, les chevaux de trait. Et je regarde Anne-Laurence Pétel parce que c'est un débat que nous avions eu au moment des Galim 1. Ou que ce soit les animaux d'élevage, comme l'a dit mon collègue Dino Cineri et d'autres députés, un animal, ça s'éduque. Et ça s'éduque à la voix. Et pour ce faire, il faut apprendre à une partie de nos concitoyens qui sont déconnectés de l'approche, je dirais, de l'environnement et du monde animal,
que lorsqu'on a des animaux, lorsqu'on a un animal, quel qu'il soit, il faut tout d'abord de la patience. Il faut du temps. Et il faut de la présence humaine. Il faut dire à quelqu'un qui est tenté d'avoir un animal de compagnie et qui part au travail à 6h30 le matin et qui revient très tard dans la journée, qu'il n'a pas de temps, il n'a pas la patience pour éduquer un animal. Et son animal sera malheureux. C'est bien pour ça que les animaux de compagnie devraient être commercialisés exclusivement par des éleveurs. Et on devrait bannir et interdire purement et simplement la vente des animaux dans les jardineries, parce que c'est purement et simplement pas le lieu où les animaux de compagnie, quels qu'ils soient, doivent être proposés. Et j'irai même plus loin. Je dirais même qu'un animal est un être vivant doué de sensibilité, parce que nous l'avons voté dans la loi. C'est un animal ne s'offre pas en cadeau. Un animal, si on souhaite un animal de compagnie, il doit y avoir une démarche réfléchie, anticiper. Et tout ça, je pense que c'est la suite que nous pourrions donner à ce type de proposition de loi. Je ne serai pas plus long, tout a été dit, puisque tout ce qui concerne, en effet, la vente, la cession et la détention de matériel, et notamment les fameux colliers électriques, les colliers à pointe et les colliers étrangleurs, eh bien, vont être enfin bannis, interdits, proscrits, et c'est une bonne avancée. C'est pour ça que les députés du groupe Horizon voteront cette proposition. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Charles Fournier pour le groupe écologiste. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame, mesdames les rapporteurs, la question de la condition animale et de la lutte contre les maltraitances est un sujet, vous l'avez dit, monsieur le ministre, qui avance par étapes successives. Depuis 2015, l'animal est reconnu comme un être doué de sensibilité. Nous pensons qu'il faut aller plus loin et que l'animal pourrait avoir une personnalité juridique. Il y a de nombreuses hypothèses là-dessus, de nombreux scénarios possibles pour le penser, ce qui nous conduirait visiblement peut-être à ne pas étudier une loi comme celle-là parce que ça poserait le principe de manière durable. Madame Vignon, nous saluons votre proposition. Elle est utile en l'absence justement d'une reconnaissance suffisamment large de la condition animale. Elle s'inscrit parfaitement dans les engagements des écologistes de toujours d'instaurer un rapport plus respectueux entre l'humain et les animaux, fondé sur la reconnaissance de la qualité d'être vivant et d'être sensible. Nous réaffirmons quotidiennement notre engagement pour le vivant et sommes à l'écoute de la population qui s'en préoccupe. Un sondage de l'IFOP paru en mars 2022, démontre en effet que 81% des Français se déclarent sensibles aux questions ayant trait à la condition, à la protection et au bien-être des animaux. Au sujet du texte que nous examinons, cette interdiction des colliers de type étrangleur et électrique est résolument la bienvenue, tant on connaît les dommages physiques et psychiques qu'ils entraînent. Ces colliers de dressage, entre guillemets, n'ont jamais prouvé leur efficacité. Pire, parce qu'ils génèrent des souffrances inutiles, pouvant même s'apparenter à de la torture, ils sont contre-productifs pour le comportement des animaux et provoquent des comportements très agressifs pour les chiens qui les portent. C'est ce que constatent de nombreuses études qui recommandent clairement de les bannir. À ce titre, et vous l'avez rappelé, de nombreux pays l'ont tout simplement interdit. La liste est longue, je ne les ferai pas toutes, mais le Danemark, l'Australie, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, etc., etc., ont interdit ces colliers. Nous voterons donc pour cette initiative parlementaire qui prend en considération une préoccupation grandissante des Français et les différents avis des associations, des professionnels de secteur et des scientifiques. Néanmoins, nous regrettons que nos amendements pour améliorer votre proposition aient été rejetés. Nous, écologistes, voulions aller encore plus loin pour ne pas que ces colliers soient interdits uniquement pour les chiens et pour les chats, mais pour tous les animaux. Car rien ne justifie leur usage sur les animaux de compagnie. Alors, nous aurions pu avoir l'humanité des interdire pour tout être vivant. Aucune raison ne justifie l'emploi par l'être humain de ces dispositifs barbares sur n'importe quel animal. Nous estimions également que l'ensemble des dispositifs de coercition qui ont un impact négatif sur le bien-être et l'équilibre comportemental des animaux devraient être interdits. Et nous avions proposé d'ajouter de nouveaux colliers barbares qui existent, ainsi que des muselières qui empêchent de boire, de manger et de respirer. Car oui, il existe des catégories de bonnes muselières qui permettent aux chiens d'avoir des libertés tout en garantissant la sécurité des gens.
Nous regrettons donc que ce texte n'aille pas plus loin. Au-delà du matériel de dressage et parce que les animaux ne s'éduquent pas par la violence, il conviendra également à l'avenir de s'interroger plus largement sur les méthodes coercitives d'éducation et de dressage et leurs conséquences sur les animaux. Mais nous saluons cette avancée pour redonner une place centrale au bien-être des animaux qui partagent notre quotidien. Le groupe écologiste, fidèle à ses valeurs de respect de tout être vivant et soucieux en particulier de la condition animale, votera résolument pour cette proposition de loi. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Soumia Bourroua pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, chers collègues. La proposition de loi que nous examinons ce soir fait consensus. Elle s'inscrit dans le prolongement de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale, votée sous la précédente législature et qui a notamment mis en place le certificat d'engagement et de connaissance. Si ce dispositif visait avant tout à limiter les achats impulsifs et prévenir les abandons en imposant aux futurs propriétaires d'un animal de compagnie de connaître les obligations de soins et de vaccination qui leur incombent, mais aussi de disposer d'un minimum de connaissances sur les impératifs biologiques de l'animal. Nul doute que l'usage des colliers de dressage coercitifs que le présent texte a pour objet d'interdire sont eux-mêmes bien souvent le résultat du désarroi de propriétaires qui ignorent tout ou presque de leur animal et ne savent comment les dresser. Ils cherchent à travers ces outils à éduquer et à contrôler leur animal, empêcher leurs aboiements, leurs fugues ou éviter qu'ils ne tirent sur la laisse. Or, les vétérinaires et la communauté scientifique sont aujourd'hui unanimes pour condamner ces méthodes qui sont à la fois inefficaces et dangereuses. Inefficaces parce qu'elles ne tiennent en aucun compte des émotions ressenties par l'animal. Dangereuses parce qu'en reposant sur des émotions négatives, ces méthodes contribuent aussi à accroître l'agressivité des animaux et par conséquent les risques d'accident. D'autant qu'existent aujourd'hui des méthodes d'éducation canine positive qui permettent aux propriétaires de nouer une relation de compagnonnage avec leur animal. Dans son avis de juillet dernier, le Centre national de référence pour le bien-être animal mettait en avant la persistance dans les séances d'éducation canine et certaines pratiques et outils associés à des méthodes négatives. Ce rapport soulignait en particulier que certains outils coercitifs, tels que la boîte à cailloux ou à clous, ou encore le collier électrique ou étrangleur, se retrouvaient dans les mains des propriétaires de chiens sur les conseils des professionnels qu'ils avaient consultés. Cela met en évidence les carences de l'éducation canine dans notre pays, alors que nous connaissons l'efficacité des méthodes d'éducation dites positives qui reposent sur l'éthologie et se montrent à la fois beaucoup plus efficaces et plus respectueuses du bien-être de l'animal. Au-delà donc de l'interdiction des colliers électriques et étrangleurs, il nous faudrait peut-être à présent avancer sur les questions de la formation des éducateurs canins. Ces remarques étant faites, il va de soi que nous voterons la présente proposition de loi. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Avant de donner la parole à Monsieur Michel Castellani pour le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoires, je vous annonce que sur le vote de l'ensemble de la proposition de loi, je suis saisie par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Castellani, vous avez la parole. Madame la présidente. Je compte sur vous pour écouter attentivement monsieur Castellani. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Je le dis d'entrée, nous voterons cette proposition de loi visant à interdire l'usage des colliers coercitifs, même si nous ne sommes pas certains d'ailleurs que ce problème relève de la loi. Nous n'oublions pas que une convention européenne dispose qu'aucun animal ne doit être dressé d'une façon qui porte atteinte à sa santé ou à son bien-être. Nous savons tous aussi que le Code rural, dans son article R214-17, va exactement dans le même sens.
et que sans doute une modification de cet article R214-17 aurait eu la même force opérative. Bref, il n'en demeure pas moins que cette PPL nous invite à tenir compte des blessures, des brûlures que ces colliers peuvent apporter aux animaux, de même qu'elle nous amène à réfléchir sur le stress que ces colliers provoquent indiscutablement. Cette utilisation des colliers coercitifs relève d'un type de rapport entre l'homme et l'animal que nous rejetons. Et car d'une façon plus générale, nous déplorons les souffrances, le manque de respect qui est trop souvent constaté à l'égard des animaux, qu'ils soient d'ailleurs domestiques ou pas. Bien des souffrances pourraient être épargnées avec un minimum d'humanité. Les animaux sont trop souvent traités comme des instruments, alors que, faut-il le rappeler, ils sont d'abord des êtres vivants et qu'ils sont dotés de sensibilité. Quand on voit vivre un peu la nature de près, on se persuade de cette réalité. Pour ne prendre que l'exemple du chien, on sait que ce dernier nourrit pratiquement toujours à l'égard de son maître d'une relation de confiance et d'attachement. Et bien des maîtres le rendent à leur chien, bien sûr. Mais pour d'autres, hélas, le chien ne reçoit en retour qu'indifférence et même quelquefois méchanceté. Et je ne voudrais pas ici non plus, c'est un autre sujet, évoquer les conditions horribles qui sont réservées aux animaux de certains élevages industriels. Voilà, sans doute donc aurait-il fallu traiter cette question des colliers sur un mode moins restrictif, même si nous ne négligeons pas les souffrances qui sont provoquées par les dits colliers étrangleurs ou électriques. Voilà, notre groupe votera donc cette PPL. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Anaïg Lemeur pour le groupe Renaissance. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, madame la rapporteure, madame la vice-présidente de la commission des affaires économiques, chers collègues, ce lundi 16 janvier est soumise au vote de l'Assemblée nationale la proposition de loi visant à interdire la maltraitance sur les animaux de compagnie par l'utilisation des colliers étrangleurs et électriques, présentée par la rapporteure Corinne Vignon, par la présidente Aurore Berger et les membres du groupe Renaissance et apparentés. Ce texte a été adopté à l'unanimité en commission des affaires économiques le 10 janvier dernier, dans le cadre d'une procédure de législation en commission. Cette proposition de loi, comportant un article unique, a pour objet d'interdire la cession et l'utilisation des colliers électriques, étrangleurs et à pointe, qui représentent une source de souffrance importante pour les animaux qui y sont soumis. Ce texte constitue une avancée éthique et sociétale attendue, aussi bien par les citoyens que par le monde de l'éducation canine. En effet, le regard que la société porte sur les animaux a considérablement changé ces dernières décennies, ce qui a notamment provoqué une évolution positive et révélatrice des pratiques d'éducation canine, mais malheureusement, des méthodes violentes et coercitives continuent d'être promues par certains. Les colliers dits coercitifs sont de trois types : collier étrangleur, il écrase la tranchée du chien et lui coupe donc la respiration lorsque ce dernier tire sur la laisse. Le collier électrique, activé à distance par une télécommande, il permet au maître d'envoyer des décharges électriques au chien. Il est notamment utilisé pour empêcher les chiens d'aboyer. Collier à pointe, constitué d'une chaîne dotée de pointes dirigées vers le cou du chien, il permet de créer des entailles lorsque le chien tire sur la laisse. Ces colliers, utilisés sur les chiens qui posent des difficultés lors du dressage, n'ont jamais prouvé une quelconque efficacité. Au contraire, plusieurs études scientifiques récentes, parmi lesquelles celle de la Société européenne d'éthiologie clinique vétérinaire, ont montré que l'usage de ces colliers était contre-productif du fait de leur tendance à augmenter l'agressivité des chiens en raison du stress et de la souffrance qu'ils génèrent. En effet, il ressort d'une étude nationale conduite en Belgique auprès de 2600 vétérinaires que s'agissant des colliers à stimulation électrique, 26% des chiens
victimes présentent des comportements décuplés de peur. 17% sont traumatisés et 14% présentent de graves brûlures au cou. Quant à l'utilisation du collier à pointe, les conséquences médicales peuvent être particulièrement sérieuses. Je citerai écrasement de la trachée, pression élevée de la glande thyroïde, paralysie transitoire des pattes, arthrose dégénérative, paralysie du nerf laryngé, affectant la déglutition, irrigation défaillante vers le cerveau et les yeux, endommageant les nerfs des yeux, pouvant donc entraîner une cécité, mais aussi perte de poils et blessures au niveau du cou, ainsi que perforation de la peau. À ce titre, plusieurs pays européens ont d'ores et déjà interdit la vente de ces objets, parmi lesquels l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, le Pays de Galles, le Danemark, la Slovénie ou encore l'Angleterre. La Belgique est également en passe d'adopter une législation en ce sens et j'espère qu'en ce jour, nous serons capables de faire de même. Il existe par ailleurs des alternatives sans souffrance aux colliers coercitifs, comme les harnais avec attache sur le poitrail ou encore les colliers à martingale. Un nombre non négligeable de dresseurs de chiens refusent d'avoir recours à ce genre de collier, à la fois pour des considérations relatives au bien-être animal, mais également pour des raisons d'efficacité. Ils considèrent en effet que l'utilisation de ces colliers est contre-productive. En définitive, il n'existe aucune raison de recourir à ces colliers, bien au contraire, et les auditions menées par Madame la rapporteure en commission ont montré qu'un grand nombre des maîtres qui utilisent ces colliers le font par une méconnaissance des souffrances qu'ils causent aux chiens. Pour toutes ces raisons, le groupe Renaissance votera pour cette proposition de loi et je vous remercie d'en faire autant. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Anne Stambach-Ternoir pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues. Brûlures, cervicales fracturées, trachées écrasées, la liste des blessures que les colliers électriques, étrangleurs ou à pointe peuvent occasionner fait froid dans le dos. Pour les animaux, l'emploi de ces dispositifs coercitifs signifie donc dommages physiques, mais aussi dommages émotionnels et même psychiques. Et pour cause, la littérature scientifique démontre aujourd'hui clairement que ces méthodes sont non seulement inefficaces, mais qu'elles contribuent avant toute chose à accroître l'anxiété et l'agressivité de l'animal, à le rendre plus stressé et méfiant, et finalement plus susceptible de s'en prendre aux humains qui l'entourent. Il est grand temps de mettre un terme à l'utilisation de ces colliers, qui peut en plus, parfois, donner lieu à des dérives s'apparentant tout simplement à de la torture, comme le montre de manière glaçante votre rapport, Madame Vignon. A l'inverse, le Centre national de référence pour le bien-être animal démontrait dans son rapport de juillet 2022 que les chiens éduqués via des méthodes positives ont une meilleure relation avec leurs propriétaires et se montrent moins stressés. De nombreux pays, parmi nos voisins, ont d'ailleurs déjà fait un pas vers un encadrement strict ou une interdiction de ces colliers, comme l'Allemagne, l'Autriche, par exemple, ou encore la Wallonie, en décembre dernier. Nous nous réjouissons donc de leur emboîter aujourd'hui le pas. Cette proposition de loi pointe cependant un enjeu plus large et qui mériterait, selon nous, notre attention. Celui de la formation des éducateurs canins dans notre pays. C'est là sans doute le vrai chantier qu'il nous faudra aborder si nous voulons réellement garantir la transmission de méthodes éducatives respectueuses de l'animal. Au-delà des outils utilisés, il nous faut identifier les formations existantes et travailler à leur amélioration, puis leur harmonisation. Se pose aussi la question des moyens, actuellement insuffisants, donnés aux forces de police et de gendarmerie, en termes de formation comme en termes d'effectifs, pour assurer la mise en œuvre de cette mesure, comme d'ailleurs de l'ensemble de celles protégeant les animaux. En France, 17 millions de chiens et chats, au moins, vivent à nos côtés, dans nos foyers. Et la manière dont nous tissons un lien avec eux, à travers nos façons de les éduquer, de les soigner, sont au fond un révélateur des rapports que nous, humains, entretenons avec les animaux.
La France insoumise porte le projet d'une société de l'harmonie des êtres humains entre eux et avec le vivant. Nous voterons donc, bien évidemment, pour cette proposition de loi. Nous nous réjouissons par ailleurs que certains de nos amendements aient pu enrichir le texte en commission, notamment en ajoutant l'interdiction de toute publicité ou petites annonces pour ces colliers. En revanche, nous déplorons que les chiens militaires demeurent exclus du champ de protection de cette loi. Militaires ou non, les chiens sont tous des êtres sensibles ressentant la douleur. Ils méritent donc tous la même protection. Nous regrettons également que notre demande d'interdiction des modèles de muselières entravant les fonctions vitales des chiens n'ait pas été entendue. Il s'agissait là simplement d'assurer, comme le préconisent les associations, que plus aucune muselière commercialisée n'empêche les chiens de boire ou encore de réguler leur température en haletant, par exemple. Nous regrettons enfin l'utilisation d'une procédure de législation en commission pour ce texte, qui ainsi, par définition, ne permet pas de rediscuter ces éléments ce soir en hémicycle. Cependant, voter cette loi aujourd'hui, c'est bien aller dans le sens de la volonté de nos concitoyennes et concitoyens, puisque 81% d'entre eux se disent sensibles à la question de la protection animale. Ils attendent donc de nous, parlementaires, des mesures fortes et concrètes dans ce domaine. Cette proposition est un petit pas dans la bonne direction, mais la protection animale ne se limite évidemment pas aux animaux qui sont dans nos foyers. Ainsi, nous espérons voir la même énergie et la même volonté politique déployée pour mettre un terme au calvaire de tous les animaux. En France, plus d'un milliard d'animaux sont élevés et abattus chaque année, et parmi eux, 8 sur 10 ont vécu les souffrances de l'élevage intensif. Je pense ici particulièrement aux fermes-usines qu'il est urgent d'interdire. Je pense encore aux animaux victimes d'exploitation et de maltraitance à des fins de divertissement, mais aussi à nos oiseaux des champs, décimés indirectement par l'utilisation toujours massive de pesticides. Ou encore aux 10 000 dauphins victimes chaque année des captures accidentelles liées à la pêche industrielle sur les côtes françaises. Eux aussi méritent d'être considérés et protégés par la législation. Nous y veillerons. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix la proposition de loi. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 122, exprimés 116, majorité 59, pour 111, contre 5. L'Assemblée nationale a adopté. Madame la rapporteure. Merci, Madame la Présidente. Eh bien, écoutez, je me réjouis que la loi ait été adoptée. Je me réjouis également du consensus qui a été présent en commission. Attendez, Madame la rapporteure. S'il vous plaît, chers collègues, Madame la rapporteure est en train de prendre la parole. Merci de l'écouter. Allez-y. Je tiens à remercier donc l'ensemble des groupes. Je tiens à remercier également le cabinet du ministre, puisqu'ils ont beaucoup travaillé sur cette question. Et il est vraiment important que ce sujet sociétal soit vraiment, vraiment pris en compte. Une petite chose que je voulais signaler, c'est que la prochaine étape va être une étape sur la formation des éducateurs. Aujourd'hui, sachez que pour être éducateur canin, il suffit de 2 jours de formation, qui est au travers de l'ACACED, et vous pouvez faire cette formation en ligne, sans avoir vu un chien. Donc il faut absolument, et d'ailleurs j'ai rendez-vous avec Madame la Ministre Grandjean, pour que nous parlions très rapidement de cette difficulté, à mon sens, qui persiste. En tout cas, encore merci. Merci à tous les groupes. Et c'était un plaisir de travailler avec vous. Merci. Merci Madame la Rapporteure. Monsieur Maillard, pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Après ce beau vote pratiquement unanime, on vous demande une suspension de séance de 5 à 10 minutes, s'il vous plaît. 5 ou 10 ? 10. Elle est de droit. La séance est suspendue.
La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi visant à faire évoluer la formation de sages-femmes. La parole est à Madame Agnès Firmin-Lebeaudeau, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi d'abord de me réjouir et saluer l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour de votre Assemblée. Ce texte d'initiative parlementaire avait été défendu par ma collègue Annie Chapelier lors de la journée réservée du groupe Agir Ensemble le 25 novembre 2021. Il illustre, si besoin en était, toute l'importance de l'initiative parlementaire dans le cadre d'un dialogue exigeant entre les deux chambres et le gouvernement. Je tiens d'ailleurs à te saluer, chère Annie, qui assiste aujourd'hui à nos débats. Je crois que tu peux être légitimement fière du travail accompli. Si, comme je l'espère, votre Assemblée en décide ainsi, l'adoption de cette proposition de loi viendra en effet concrétiser ton engagement et ta persévérance en faveur d'une meilleure reconnaissance de la profession des sages-femmes. Je salue également la sénatrice Raymonde Poncet-Monge qui avait porté ce texte au Sénat et le rapporteur Paul Christophe qui le défend aujourd'hui jusqu'à son terme. Je l'avais moi-même co-signé en tant que députée et me réjouis d'achever avec vous le parcours de ce beau texte sur ce sujet qui nous tient tous à cœur. Il est d'autant plus important que les sages-femmes françaises exercent aujourd'hui des responsabilités particulièrement étendues au niveau européen. Au-delà d'accompagner les premiers instants, elles jouent désormais un rôle toujours plus étendu dans la santé des femmes tout au long de la vie. Depuis 2009, les missions des sages-femmes ont en effet été progressivement élargies. Elles couvrent désormais le suivi de prévention et de contraception des femmes tout au long de leur vie, tant en ville qu'à l'hôpital. En outre, le suivi des femmes avant et après leur accouchement s'est, durant la même période, ouvert sur une prise en charge en ville. En application de la loi d'organisation et de transformation de notre système de santé, elles ont désormais la possibilité de vacciner l'ensemble des mineurs, les garçons comme les filles, contre le papillomavirus. C'est un pas supplémentaire vers plus de prévention sur un sujet qui nous est cher et que nous avions défendu avec d'autres sur ces bancs lors du précédent quinquennat. Leur rôle en matière de prévention a été étendue notamment pour le renouvellement, la prolongation des arrêts de travail ou le dépistage des IST par la loi du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, dite loi RIST. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 a encore approfondi leur mission. Les sages-femmes auront toute leur place dans la réalisation des rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie. Aux côtés d'autres professionnels de santé, leurs compétences vaccinales ont encore été étendues. Au-delà de l'élargissement légitime de leur mission, cette proposition de loi s'inscrit dans un ensemble plus large, celui de la refonte des études en santé que le gouvernement entend mener. Il est clair que les déterminants de l'attractivité des métiers, la recherche de qualité de vie, de renouvellement et de diversité des pratiques doivent être soutenus. Il nous appartient en effet d'inventer dès aujourd'hui les métiers qui, demain, soigneront les Français dans un système de soins où l'exercice coordonné et le partage de compétences au sein d'équipes organisées autour du médecin sont appelés à devenir la norme. Les métiers et les perspectives de carrière évoluent grâce notamment à toutes les mesures concernant la pratique avancée et les partages de compétences. Nous avons déjà commencé à les mettre en place et nous souhaitons avancer sur ces sujets. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler dans les heures qui viennent lors des débats sur la proposition portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Le gouvernement souhaite également avancer sur la pénibilité et sur le travail de nuit, conformément aux engagements pris par le président. Mais tout doit commencer, c'est essentiel, par la formation et les études. En matière de formation, cette proposition de loi s'inscrit pleinement dans la volonté du gouvernement d'universitarisation des cursus. L'universitarisation permet la multiplication des passerelles et une reconnaissance internationale, ou tout du moins européenne, des diplômes via le processus de Bologne. Une mission relative à l'universitarisation des formations en santé
en lien avec les services des ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur, a été confiée au professeur Christine Amirati. Elle a entamé, avec l'IGAS et l'IGESR, un important travail d'analyse et de concertation pour mettre en place les déterminants d'une intégration efficace et adaptée de la formation des sages-femmes à l'université. L'article 1er de cette proposition de loi constitue donc un jalon essentiel. L'inclusion des formations paramédicales et de maïeutique dans l'université permettra le développement de la recherche, par exemple en sciences infirmières, en réadaptation et en maïeutique. L'objectif, c'est bien que tous les étudiants en santé apprennent à coopérer dès les bancs de l'université et bénéficient des mêmes droits et des mêmes services que les étudiants inscrits dans un cursus LMD. Même s'il reste encore du chemin à parcourir, nous avons avancé sur ce sujet depuis la loi du 21 juillet 2009. La transformation en particulier de plusieurs facultés de médecine en facultés de santé a accéléré les rapprochements avec les écoles de maïeutique. La loi santé du 24 juillet 2019 a ouvert la voie à des expérimentations en la matière et relancé le processus d'intégration universitaire des écoles de maïeutique. La création d'une section du Conseil national des universités en 2019 avait également constitué une étape supplémentaire dans le renforcement du caractère universitaire de la formation. La création d'un statut de maître de stage universitaire en maïeutique, prévu par l'article 1er bis, constitue par ailleurs une réponse utile aux besoins d'encadrement des étudiantes et étudiants. Il est essentiel cependant que ce statut fasse l'objet d'un travail plus large à des fins d'harmonisation avec les autres professions. En ce sens, un groupe de travail relatif à la maîtrise de stage universitaire et à la mise en place du tutorat pour les étudiants paramédicaux, associant les acteurs de la formation et les représentants des étudiants et employeurs, a été lancé cet automne par la DGOS. L'article 2 prévoit la création d'un troisième cycle d'études de maïeutique. Je l'ai déjà évoqué, les missions des sages-femmes ont été progressivement élargies depuis 2009. Ces nouvelles missions justifient une adaptation de la formation initiale. Le gouvernement soutiendra donc pleinement cette proposition de loi dans sa version issue des travaux du Sénat. Nous considérons, comme monsieur le rapporteur lors des travaux en commission, que les modifications proposées sont légitimes. Le maintien du dispositif actuel aurait conduit à embarquer dans la réforme les étudiants actuellement en deuxième et troisième année de premier cycle. Il était judicieux et nécessaire de décaler l'entrée en vigueur de la réforme afin de gérer dans de bonnes conditions l'harmonisation des différents cycles de formation entre eux, la préparation des terrains de stage supplémentaires et l'impact de l'année blanche en 2028. À l'issue de son examen en première lecture à l'Assemblée nationale comme au Sénat, elle avait fait l'objet d'un soutien unanime des parlementaires. Je forme le vœu qu'il en soit de même ce soir. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Paul Christophe, rapporteur de la Commission des affaires sociales. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture une proposition de loi dont l'objet est de faire évoluer la formation des sages-femmes dans le but de mieux reconnaître et valoriser le caractère véritablement médical de cette profession en France. Je dis en France parce que c'est en réalité une singularité de notre pays. Chez nos voisins européens, il n'y a pas d'équivalent à nos sages-femmes du point de vue de la durée de la formation, de l'étendue des compétences en matière d'accompagnement de la femme et du nouveau-né, ou encore du niveau de responsabilité dont elles sont investies. Nous avons pris l'habitude de dire « elles » parce qu'il y a 98% de femmes parmi les sages-femmes. Mais je n'oublie pas pour autant les 2% d'hommes. D'ailleurs, le terme « sage-femme » n'est pas féminin, contre ce qu'on pourrait penser, puisqu'il désigne celui ou celle qui a la connaissance de la femme. Cette parenthèse refermée, j'en reviens à notre proposition de loi. Elle vise ainsi à reconnaître le statut véritablement médical de nos sages-femmes en mettant leur formation en adéquation avec leurs compétences et responsabilités. Cette proposition de loi, elle nous vient de la législature précédente. Elle avait été portée par notre groupe Agir Ensemble et plus particulièrement par notre collègue Annie Chapelier, que je salue ce soir, à qui je souhaite rendre aujourd'hui un hommage appuyé. Tout au long de la législature, Annie Chapelier n'a eu de cesse
d'œuvrer pour une meilleure reconnaissance des sages-femmes et pour une évolution de cette profession qui reste insuffisamment valorisée. Cette proposition de loi de notre collègue Annie Chapelier l'avait voulue plus ambitieuse. Une première version déposée en juin 2021 comportait pas moins de 26 articles et embrassait l'ensemble des enjeux relatifs à l'évolution de la profession de sage-femme. Mais le principe de réalité nous avait forcé à restreindre le champ d'intervention de cette proposition de loi. Premièrement, parce qu'elle avait vocation à être examinée dans le cadre d'une niche parlementaire de notre groupe. Deuxièmement, parce que certaines problématiques relatives à l'extension des compétences des sages-femmes ne sont pas tout à fait consensuelles. Annie Chapelier avait donc choisi de poser une première pierre en intervenant sur l'évolution de la formation des sages-femmes. C'était de toute façon indispensable de commencer par là, dans la mesure où la formation conditionne beaucoup d'autres évolutions. C'est ainsi que cette proposition de loi avait été déposée et examinée en première lecture à l'Assemblée nationale en octobre 2021, il y a maintenant plus d'un an. Son examen s'était déroulé, je dois le dire, de manière particulièrement constructive et apaisée, à la fois en commission et en séance. Nous avions adopté plusieurs amendements à l'initiative de la rapporteure pour améliorer le texte au regard des auditions qui avaient été conduites. C'est également dans cet état d'esprit que le Sénat a procédé à l'examen de cette proposition de loi en octobre dernier, soit un an plus tard. Tous les groupes politiques ont convergé pour estimer que cette proposition était une vraie avancée pour les sages-femmes, nécessaire et attendue de tous. Aussi, ainsi, le Sénat n'a pas touché au texte que nous avons voté en première lecture, à l'exception d'une mesure de date sur laquelle je reviendrai. Au terme de l'examen en première lecture, dans les deux assemblées, le texte qui nous est soumis comporte ainsi 5 articles. Sur ces 5 articles, 3 ont été adoptés conformes, il n'en reste donc plus que 2 en discussion. J'ai bon espoir que nous pourrons converger sur le texte issu du Sénat, espoir alimenté, il est vrai, par le fait que nous l'avons tous voté à l'unanimité en commission. Je crois en effet qu'il n'y a pas vraiment de matière de désaccord sur ce texte et je vais m'appliquer à vous le montrer tout de suite en revenant brièvement sur l'ensemble de ces dispositions. L'article 1er, donc en cours de discussion, il porte le cœur du dispositif de cette proposition de loi en programmant la pleine intégration universitaire de la formation des sages-femmes. Cet objectif avait déjà été affirmé à plusieurs reprises, mais le processus semblait en panne, d'où la nécessité de le relancer. L'article 1er fixe donc cet objectif à l'horizon de la rentrée 2027. En commission, il y a eu des questionnements pour savoir pourquoi une date si lointaine avait été choisie lors de l'examen en première lecture, alors que le texte initial prévoyait un effet immédiat à la rentrée 2022-2023. Les différents acteurs nous ont demandé d'avoir ce temps supplémentaire pour s'organiser. Il faut par exemple avoir en tête que les contrats entre les universités et le ministère sont établis pour 5 ans. Fixer une date butoir à 2027 permettra donc à l'ensemble des universités de prévoir l'intégration universitaire des sages-femmes dans la négociation de leur prochain contrat. À cette échéance de 2027, la formation des sages-femmes devrait ainsi se dérouler prioritairement au sein donc, d'unités de formation et de recherche, les UFR, en santé, ce qui permettra de la rapprocher de la formation des médecins. Si cet article 1er reste aujourd'hui en discussion, c'est donc en raison d'une autre mesure de calendrier dont l'effet est principalement porté par l'article 2. J'y reviendrai donc dans ma description de l'article 2. Pour le reste, l'article 1er a fait l'objet d'un consensus sur l'ensemble de ces dispositions, à la fois à l'Assemblée et au Sénat. L'article 1er bis a été adopté conforme et donc, il est donc plus ouvert à la discussion. Il crée, rappelons-le, un statut de maître de stage agréé en maïeutique pour les sages-femmes, venant ainsi remédier à une anomalie. Cela paraît en effet étrange de penser que cela n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. L'article 2 est l'autre article phare de cette proposition de loi. Il vient allonger les études de sage-femme en ajoutant un 3e cycle qui a vocation à durer 1 année. La formation de sage-femme passera ainsi de 5 à 6 ans et les sages-femmes auront désormais le statut de docteur en maïeutique. Cette évolution sera bénéfique de tout point de vue. Elle améliorera la reconnaissance du caractère médical de la profession. Elle permettra de mieux répartir la charge des études, qui est très lourde sur le 2e cycle, de développer la formation en physiologie. Elle favorisera la pratique de stage. Elle permettra enfin de développer la recherche en maïeutique, qui est encore bien trop embryonnaire en France. Si cet article est encore en discussion, c'est parce que le Sénat a voulu modifier le calendrier d'application de ce 3e cycle. Initialement, il était question qu'il soit appliqué à tous les étudiants en maïeutique, entamant leur première année de 2e cycle, donc leur 4e année à la rentrée 2023.
Le Sénat a estimé qu'on ne pouvait pas imposer un troisième cycle à des étudiants qui s'étaient engagés pour des études de 5 ans. Il a donc prévu que le troisième cycle ne s'appliquerait qu'aux étudiants commençant leur deuxième année de premier cycle, laquelle constitue la première année donc, de maïeutique à proprement parler, puisque la première année est l'année passe commune aux études de santé. Comme l'examen de la proposition de loi a pris un peu de retard, la date d'application a en outre été décalée du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2024 pour ménager le temps nécessaire pour les mesures d'application. Au total, il me semble que nous pouvons estimer que la mesure votée par le Sénat est de bon sens. Elle répond d'ailleurs à une demande convergente de l'ensemble des acteurs. Si cette mesure impacte aussi la rédaction de l'article 1er, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que cet article prévoit la date d'exigibilité du nouveau diplôme de docteur en maïeutique, qui est logiquement décalé par le report de l'application du troisième cycle. L'article 3 a été adopté conforme. Il crée un statut d'enseignant-chercheur en maïeutique, ce qui rejoint l'objectif d'encourager la recherche dans ce domaine. Enfin, l'article 4, également adopté conforme, modifie l'insertion de la profession de sage-femme dans la nomenclature d'activités françaises et dans la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles afin de tenir compte de la nature médicale et non paramédicale de cette profession. Voilà donc en quelques mots la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui. Je pense que nous pouvons, comme nous l'avons fait en commission, la voter unanimement telle qu'elle se présente actuellement. J'ai conscience qu'elle ne répond pas à tous les enjeux pour les sages-femmes. Aussi, nous devons poursuivre le travail engagé, notamment dans le cadre du PLFSS, à étendre les compétences des sages-femmes. Mais ce texte constitue une première pierre utile, incontournable, immédiatement applicable. Je vous invite donc à lui réserver un bon accueil. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur. Nous en venons à la discussion générale. La parole est à madame Maude Petit pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, un peu plus d'un an après son adoption à l'unanimité par notre Assemblée lors de la précédente législature, et moins de 2 mois après son examen au Sénat, la proposition de loi visant à faire évoluer la formation de sages-femmes revient dans notre hémicycle, et c'est une excellente chose. En effet, il est urgent que le processus législatif entrepris par notre ancienne collègue Annie Chapelier puisse arriver à son terme afin d'entériner la réforme du processus de formation des sages-femmes et renforcer leur statut. Les dispositions contenues dans ce texte sont attendues par toute une profession. Une profession dont la vocation est sans doute la plus belle qu'il soit, accompagner le début de la vie. Souvent considéré comme à cheval entre le médical et le paramédical, le métier de sage-femme a été négligé et trop peu considéré. Il a fallu une mobilisation forte et constante de ces professionnels pour que les choses évoluent et que le législateur s'empare enfin de leurs problématiques. Une première étape est donc franchie avec ce texte. Quelles en sont les avancées ? Il permet en premier lieu d'intégrer la formation de sage-femme au niveau du troisième cycle universitaire. Pendant trop longtemps, les 24 000 sages-femmes de notre pays se sont formées dans des structures rattachées à des hôpitaux et pas à l'université, comme les autres professions médicales. À partir du 1er septembre 2027, grâce notamment à notre vote, cette anomalie sera réparée. La proposition de loi sur laquelle nous avons à nous prononcer dans quelques instants favorisera également la conciliation de carrières hospitalo-universitaires. Nous le savons bien, la reconnaissance de la profession de sage-femme passe nécessairement par le développement de la recherche en maïeutique. Or, il ne peut y avoir de travaux de recherche performants sans y consacrer de temps et de moyens. Grâce à cette évolution du cadre légal, les sages-femmes pourront plus facilement accompagner les naissances et exercer en parallèle des activités d'enseignement et de recherche. Enfin, ce texte reconnaît la profession de sage-femme comme une activité de pratique médicale à part entière en l'incorporant dans la nomenclature des activités en France. Il était temps, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, notre Assemblée va donc se prononcer sur les 2 derniers articles de cette proposition de loi restant en discussion.
l'un relatif à l'intégration universitaire de la formation initiale des sages-femmes et l'autre portant création d'un troisième cycle d'études pour les étudiants en maïeutique. Aucun de ces dispositifs n'a été modifié en commission et le groupe démocrate s'en félicite. À l'instar des autres groupes de cette Assemblée, nous considérons que le texte doit être voté conforme à celui du Sénat. Pourquoi ? Simplement pour permettre une entrée en vigueur le plus rapidement possible. Bien sûr, des sujets resteront sur la table, comme ceux relatifs à la rémunération ou à la délégation de tâches. Nous en sommes conscients. Néanmoins, il nous semble important de conclure cette première étape avant de poursuivre nos travaux et nos discussions avec les différentes parties prenantes. Notre objectif demeure inchangé, améliorer encore la reconnaissance de ce métier. Et comme certaines sages-femmes le disent si bien, on vous fait naître, il faut nous reconnaître. Le groupe démocrate votera donc cette proposition de loi avec enthousiasme. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Arthur Delaporte pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, cher Paul, chers collègues, nous arrivons donc à l'issue heureuse de l'examen d'un texte très attendu par les étudiantes et étudiants sages-femmes, dont leurs représentants sont présents dans les tribunes, tout comme notre ancienne collègue parlementaire Annie Chapelier, que je salue. C'est elle qui avait présenté la proposition adoptée et les étudiantes et professionnels s'impatientaient de la navette parlementaire. Nous ne doutons pas qu'à l'instar de ce qui s'est passé en commission, les débats à venir seront courts, l'absence d'amendements l'illustre, et permettront donc l'adoption conforme de cette loi et que les étudiantes et étudiants pourront, dès la rentrée prochaine, commencer leur troisième cycle universitaire avec une année qui leur permettra de développer une formation, d'alléger le deuxième cycle et d'obtenir potentiellement un diplôme de docteur en maïeutique. Rappelons qu'on compte dans les études de sage-femme 1000 heures de formation de plus que sur les 5 années en maïeutique par rapport aux étudiants en pharmacie, par exemple. Nous l'évoquions en commission, le texte permettra d'autres apports bienvenus comme l'universitarisation très attendue avec tout de même 6 ans de retard par rapport à la date cible fixée par la Direction générale de l'offre de soins. Il faut le noter, Madame la Ministre, ce n'est plus possible, mais cela arrive enfin. Ces mesures constituent finalement une première étape vers l'amélioration de la reconnaissance et de la valorisation du caractère médical du métier de sage-femme. Car, bizarrerie de notre droit, alors que les sages-femmes françaises disposent des compétences et de responsabilités parmi les plus avancées d'Europe, et vous le rappelez dans votre rapport, monsieur le rapporteur, au-delà de l'accouchement en salle de naissance, elles contribuent à la santé des femmes tout au long de leur vie et à celle des nouveau-nés, réalisent des actes de prévention, de diagnostic, de prescription en obstétrique, mais aussi en gynécologie et en pédiatrie. La profession n'est malheureusement qu'insuffisamment alignée sur les autres professions médicales. Donc évidemment, je l'ai dit, nous voterons en faveur de cette proposition de loi, mais nous ne saurions être satisfaits du traitement global des étudiantes sages-femmes. Lors des échanges que j'ai pu avoir avec l'association nationale, j'ai eu un certain nombre de témoignages qui doivent alerter le gouvernement. Selon l'enquête de l'ANESF, l'association donc des étudiantes sages-femmes, les maux s'accumulent à plusieurs niveaux. Étudiants présentant des symptômes dépressifs, maltraitance en stage, au point où un quart des étudiantes a déjà pensé à arrêter ses études. Cette crise des conditions d'études s'explique logiquement par l'insuffisance de la reconnaissance de la profession, mais aussi par des conditions réelles d'exercice qui sont déplorables. Pas de gratification en stage en premier cycle, pas d'indemnité kilométrique, malgré des dizaines de semaines de stage dès les premières années d'études. Et par ailleurs, ça varie, 10 semaines à Caen, 12 semaines à Lille, 9 semaines à Besançon en deuxième année, et des terrains de stage parfois très éloignés des domiciles. Ces étudiantes sont donc déconsidérées par l'administration, ce qui affecte évidemment l'attractivité de la profession. Flore, en tribune ce soir,
a ainsi fait des allers-retours quotidiens entre Lille et Dunkerque. Vous connaissez bien le département, monsieur le rapporteur. 1h30 de route, matin et soir, avec comme gratification 0 euros et comme défraiement 0 euros. Madame la ministre, quand allez-vous prendre des engagements pour que l'État respecte à minima la loi et gratifie les étudiantes sages-femmes ? Ces étudiantes ont accès à la gratification en second cycle. C'est 130 euros brut pour un stage situé à plus de 15 km du domicile. Ne nous emballons pas. Et par ailleurs, les CHU ne versent pas forcément cette indemnité, ni dans les délais, ou pas vraiment dans leur totalité. Bref, un peu d'audace, Madame la Ministre, vous irez plus loin et vous proposerez, je l'espère, par voie réglementaire, à minima le remboursement des frais kilométriques et une revalorisation des gratifications de stage sur le traitement de l'ensemble des stagiaires. Toutes ces défaillances et oublis compliquent évidemment la situation et la crise du recrutement avec 20% de places vacantes, avec un pic à 37% en Île-de-France, une hausse par ailleurs du taux de radiation à l'ordre des sages-femmes de 112%, soit près de 4000 sages-femmes en âge d'exercer sans activité. Vous voyez, les parlementaires que nous sommes sont déterminés et ouverts pour faire avancer et revaloriser la profession de sage-femme et leur rendre des conditions d'exercice à la hauteur de leur mission qui est essentielle. Madame la ministre, saisissez donc cet appel. Ne nous comptons pas de la première pierre que nous allons voter ce soir et travaillons tous ensemble, plus largement, à la revalorisation du statut et des carrières. Les socialistes y sont prêts. Allons-y. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Frédéric Valtoux pour le groupe Horizon et Apparenté. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, nous avons besoin de reconnaissance, tels sont les mots fréquemment employés par les sages-femmes, nous le savons, aux quatre coins de notre pays. Leur demande n'est bien entendu pas nouvelle. Nombreux sont ces professionnels qui, en activité ou simplement étudiants, expriment leur mal-être ces dernières années, notamment liées au malaise dans les hôpitaux français. Nous le savons. Nous savons tous, être sage-femme en France n'est pas chose aisée, souvent déconsidérée, souvent pas assez rémunérée, peu reconnue et peu entendue. Les sages-femmes ont longtemps été des oubliées de toutes les avancées au sein de notre système de santé. Comme l'a énoncé le président de la République le 6 janvier dernier, la crise de notre système de santé est due autant à un problème d'organisation qu'à un problème d'évolution de notre société et d'évolution de ses métiers. La profession de sage-femme s'érige malheureusement comme un parfait exemple du constat exposé par le chef de l'État. Notre système ne s'est pas suffisamment adapté à la place tout à fait singulière que tient aujourd'hui la profession de sage-femme. Alors qu'elles ont vu leur champ de compétences évoluer et s'élargir, leur formation n'a pas évolué toujours au même rythme. En effet, leurs missions ont fait l'objectif d'extensions successives pour inclure la contraception, la consultation gynécologique de prévention et, depuis la promulgation de la loi de modernisation de notre système de santé, la pratique de l'IVG médicamenteuse. Pour autant, leur formation ne s'est pas suffisamment adaptée à cette évolution et leur statut est resté inchangé. Fort de ce constat, les sages-femmes françaises, exerçant les compétences les plus étendues d'Europe au service de la santé des femmes, doivent avoir enfin un statut à la hauteur des responsabilités qu'elles occupent. C'est tout le sens de cette nécessaire proposition de loi, et je veux initier par Annie Chapelier, que je veux moi aussi saluer, cette proposition de loi que nous examinons aujourd'hui et qui vise à reconnaître le statut véritablement médical de nos sages-femmes en mettant leur formation en adéquation avec leurs compétences et leurs responsabilités. Je me réjouis également du travail transpartisan qui découle de ce texte depuis le début de son histoire législative lors de la précédente législature, cela a été rappelé, au Sénat et à l'Assemblée nationale, où nous avons pu avoir ensemble de beaux débats de fond dans une démarche constructive. Les avancées prévues dans ce texte sont ainsi le symbole d'une société qui évolue et d'une volonté nationale d'avancer sur le système de santé qui, vous le savez, connaît une crise profonde. C'est aussi l'occasion de mettre fin à des clivages qui sont dépassés entre les professionnels médicaux et de reconnaître collectivement les compétences étendues de cette profession. Les objectifs de cette proposition de loi sont alors doubles, affirmer le statut médical des sages-femmes au travers de leur formation initiale et mieux définir et reconnaître leur rôle dans l'accompagnement des femmes et des jeunes enfants. Cette proposition part du constat que, malgré les avancées récentes, l'intégration universitaire de la formation initiale des sages-femmes
demeure faible et inégale sur le territoire, ce qui constitue une exception au sein des professions médicales. Ce texte présente ainsi plusieurs avancées, le développement d'une culture commune entre formation et profession médicale, susceptible de favoriser plus tard la collaboration entre elles, l'amélioration pour les étudiantes en maïeutique de l'accès à la recherche et la création d'un diplôme d'état de docteur en maïeutique. De plus, l'intégration universitaire constitue un symbole de reconnaissance, le statut régional de la formation des sages-femmes les isolant aujourd'hui parmi les professions médicales. Enfin, le rapprochement des écoles et de l'université apparaît nécessaire pour favoriser le développement de la recherche en maïeutique et le recrutement d'enseignants-chercheurs dans cette discipline. Pour l'ensemble de ces excellentes raisons, le groupe Horizon et Apparenté votera donc avec enthousiasme ce texte, lui aussi. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste. Madame la présidente, madame la ministre, madame le chapelier, chers collègues, surveillance et suivi médical de la grossesse, prévention des addictions, échographie obstétricale, surveillance de l'accouchement, soins à la mère et au nouveau-né, rééducation périnéale, consultation de suivi gynécologique et de prévention, insertion et retrait de contraceptifs intra-utérins, réalisation d'interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, concours aux activités d'assistance médicale, à la procréation, vaccination, repérage des situations de violence faites aux femmes et depuis cette année, dépistage et traitement de certaines infections sexuellement transmissible. Voici quelques exemples des attributions grandissantes des sages-femmes et de leur rôle essentiel dans le parcours de santé des femmes. À la rentrée 2022, près de 20% des places en deuxième année des études de maïeutique sont restées vacantes. Le constat est sans appel. La profession de sage-femme traverse une crise profonde d'attractivité et la France connaît une pénurie sans précédent des vocations au sein des maternités ainsi qu'en ville. Ce double phénomène contribue à dégrader davantage la qualité et la sécurité des soins tout autant que les conditions d'exercice, conduisant ainsi les sages-femmes et les étudiants à fuir la profession. Dès lors, pour redonner de l'attractivité, il est indispensable de conforter le caractère médical de cette profession dès la formation initiale. Les sages-femmes sont encore trop peu reconnues en tant que professionnelles médicales à part entière. Ces dernières ont la conviction de ne pas être suffisamment reconnues ni valorisées, malgré l'étendue de plus en plus large de leurs compétences et donc de leurs responsabilités. Cette proposition prévoit de parachever l'intégration universitaire de la formation des sages-femmes avec l'objectif d'homogénéiser leur niveau de formation et de décloisonner les formations en santé via les unités de formation et de recherche, les UFR, de médecine ou de santé. La formation des sages-femmes sera aussi complétée par un troisième cycle d'études sous la forme d'une sixième année contre cinq actuellement. Même si cette proposition de loi ne répond pas à l'ensemble des difficultés que connaît la profession, elle n'en est pas moins vivement attendue, car elle prend enfin en compte certaines revendications de longue date des sages-femmes et vise à reconnaître que la maïeutique est une profession médicale et non simplement paramédicale. Il ne s'agit donc pas seulement de rendre la profession plus attrayante, mais aussi de répondre à un indispensable et urgent besoin d'accompagnement des vocations et d'inciter les étudiantes et étudiants à choisir le cursus pour devenir sage-femme. Comme l'a rappelé la sénatrice Raymonde Poncet-Monge, autrice du rapport sur cette proposition de loi au Sénat, la réforme des études est une porte d'entrée. Il y a évidemment un problème plus profond. Nous sommes plusieurs à l'avoir rappelé en commission. Sans revalorisation salariale et sans modification des conditions de travail, la reconnaissance demeure souvent un vœu pieux et c'est le grief que nous pouvons faire à cette proposition de loi. L'inspection générale des affaires sociales a elle-même indiqué en septembre 2021 qu'il faut revaloriser à hauteur de 600 euros les entrantes dans le métier pour garantir l'attractivité et la dignité des conditions d'exercice professionnel. C'est donc conscient et consciente de la nécessité de faire évoluer la profession que les écologistes soutiennent ce texte. Cette proposition de loi représente une avancée indéniable pour la profession de sage-femme. Elle a d'ailleurs réussi à être adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en première lecture. Au-delà de ce vote, nous espérons qu'une augmentation des salaires sera obtenue soit ultérieurement dans cet hémicycle, soit par de légitimes mobilisations à venir, qu'évidemment, nous soutiendrons totalement. Merci, madame la députée.
La parole est à Madame Soumya Bourouaha pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, dans la vie d'une femme devenue mère, l'accouchement est un jour singulier dont elle se souviendra toute sa vie. Il peut être attendu avec impatience ou redouté avec angoisse, mais ce jour-là est souvent le premier d'une aventure unique. Pour les femmes et les hommes qui exercent la profession de sage-femme, accompagner les femmes à donner la vie représente plus qu'un métier, c'est un engagement. Depuis plusieurs années, les sages-femmes ont acquis de nouvelles responsabilités pour prendre soin de la santé des femmes tout au long de la grossesse et après son accouchement. Le suivi gynécologique, l'accompagnement et l'information sur le déroulement de la grossesse, la détection des infections sexuellement transmissibles, la vaccination, la pratique de l'interruption de grossesse médicamenteuse, entre autres. Et leurs missions vont désormais bien au-delà de l'accouchement. Si l'élargissement de leur mission va dans le sens d'une reconnaissance de leurs compétences et de leurs connaissances de la femme, la profession souffre d'un manque de valorisation tel que le métier attire de moins en moins et le nombre de démissions augmente. Ainsi, à la rentrée 2022, 20% des places en deuxième année d'études de maïeutique sont restées vacantes. Plusieurs raisons expliquent cela, comme la non-reconnaissance de leur statut médical à part entière et non paramédical. Cette proposition de loi répond en partie aux revendications des sages-femmes en leur conférant enfin un véritable statut médical. L'article 1er confie la formation des sages-femmes aux universités et les rapproche de la formation des médecins et des pharmaciens. L'article 2 acte l'ajout d'un troisième cycle de formation qui allongera la durée de 5 à 6 ans, une proposition qui est bienvenue face à une formation perçue jusqu'à présent comme bien trop courte. L'article 4 opère un reclassement de la profession en tant que profession médicale, mettant fin à un paradoxe curieux, puisque les maïeuticiennes et les maïeuticiens qui exercent à l'hôpital sont actuellement rattachés au corps de fonctionnaires et non aux praticiens hospitaliers, alors que le Code de la santé publique considère qu'ils font partie du corps médical. L'article 3 crée un statut d'enseignant-chercheur en maïeutique permettant la poursuite d'études jusqu'au doctorat et la poursuite de recherche universitaire. La création du statut de maître de stage agréé en maïeutique est également une mesure qui est très attendue car cela ouvre la possibilité aux étudiants sages-femmes de suivre des stages en cours de leur formation comme pour toute autre spécialité médicale. Déposé sous la présente législature, ce texte a été adopté à l'unanimité en première lecture à l'Assemblée nationale comme au Sénat, signe d'un consensus clair et d'une nécessité urgente à légiférer à ce sujet. Aussi, je tiens, comme tout le monde ici, à saluer le travail réalisé par Madame la députée Annie Chapelier, autrice de ce texte. Déjà 3 articles ont été adoptés de manière conforme par nos 2 chambres et seuls 2 articles restent à approuver. Bien que nous apportions notre plein soutien à ce texte, nous regrettons que la valorisation salariale ait été éludée et nous espérons que ce volet fera l'objet de concertations rapides et efficaces pour la profession. Comme le secteur de la santé dans son ensemble, les sages-femmes ont énormément souffert des mesures libérales prises ces 20 dernières années. Ces mesures ont été dévastatrices pour les professionnels et l'accès aux soins de nos concitoyens. Fermeture de nombreuses maternités, fermeture d'hôpitaux de proximité, fermeture de services et de lits. Toutes ces décisions ont écœuré les soignants et éloigné les patientes et patients de parcours de soins. La médecine de ville, l'hôpital, ne pourront jamais fonctionner correctement en calquant leurs fondements sur un système de rentabilité. La bonne santé de nos concitoyennes et concitoyens ne s'accommode pas à la recherche désespérée d'un éventuel profit. Ce qu'elles et ils souhaitent, c'est pouvoir exercer leur mission de la meilleure façon possible, c'est-à-dire humainement. Nous saluons néanmoins, les avancées permises par ce texte et le groupe de la gauche démocrate et républicaine votera cette proposition.
Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Béatrice Descamps pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, notre groupe se réjouit de voir revenir cette proposition de loi qu'un grand nombre d'entre nous avaient par ailleurs co-signée. Elle est le fruit du travail sérieux et très engagé de Madame Annie Chapelier, qui, sans nul doute, se réjouira à son tour de voir cet aboutissement. La situation des sages-femmes est assez symptomatique de la crise d'attractivité vécue par un grand nombre de professions médicales et plus largement dans le domaine de la santé. Je crois qu'il était important de répondre à au moins un des aspects qui pose question et qui est celui de la formation. Cette proposition de loi apporte ainsi une réponse concrète à l'intégration universitaire inachevée et hétérogène de cette profession. Tout le monde s'accordera sur la nécessité d'améliorer et d'homogénéiser la formation de nos sages-femmes compte tenu des compétences de plus en plus importantes que nous leur confions. Le texte apporte aussi des améliorations s'agissant de la recherche en maïeutique que nous appelons à soutenir davantage par la mise en œuvre de bourses doctorales ciblées sur ce sujet largement sous-investi. Toutefois, cette proposition de loi est une première étape nécessaire mais encore incomplète, nous le savons. Il faudra tôt ou tard répondre à l'entre-deux dans lequel les sages-femmes sont placées. Nous ne pouvons pas continuellement étendre leur champ d'intervention, leurs compétences et leurs responsabilités sans améliorer aussi leur statut. Je pense particulièrement à la distorsion qui existe aujourd'hui entre l'exercice libéral et l'hôpital. Il faut en finir avec le flou existant, donnant le sentiment à ces dernières d'être dans une zone grise entre le médical et le paramédical. Cette question n'est pas secondaire, elle se situe au cœur de l'attractivité qui se dégrade sensiblement pour ce qui est de l'exercice hospitalier. Malgré tout, notre groupe soutiendra et bien évidemment cette proposition de loi. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Chantal Boulou pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Rapporteur, la proposition de loi qui est soumise à notre examen aujourd'hui est bien singulière. Elle est singulière car elle a été adoptée à l'unanimité à chaque étape de la procédure législative à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Ce texte est le fruit d'un large travail de concertation initié lors de la précédente législature par notre collègue Annie Chapelier, à qui je tiens ici à rendre hommage. La dynamique transpartisane qui s'est naturellement enclenchée sur ce texte s'érige en modèle d'un travail parlementaire utile et efficace que nos concitoyens appellent unanimement de leurs vœux. Cela prouve, chers collègues, que lorsque chacun, sur les bancs de cet hémicycle, pointe en ligne de mire le bien commun et l'intérêt général, le travail de concert et la co-construction sont bel et bien possibles au sein de notre Assemblée. L'esprit de cette proposition de loi s'inscrit par ailleurs dans la continuité de l'action du gouvernement
et de la majorité présidentielle en matière de santé publique depuis 2017. Création de la cinquième branche autonomie de la sécurité sociale, Ségur de la santé, revalorisation de la rémunération de nos soignants, investissement dans la rénovation de nos hôpitaux et dans du matériel médical performant, autant de mesures justes et nécessaires que cette majorité présidentielle a prises avec volontarisme et courage. Une action guidée une fois encore par la poursuite de l'intérêt général et l'amélioration des conditions de travail de nos soignants au service de la santé des Français. Une action en faveur d'une juste reconnaissance de l'engagement sans faille des professionnels du monde médical et d'une adaptation nécessaire de notre système de soins aux changements structurants qui façonnent déjà une société nouvelle. Une action qui nourrit la philosophie de cette proposition de loi et qui témoigne de notre confiance en nos professionnels de santé. Dans la lignée de la loi RIS d'avril 2021 et du projet de loi de finances de la sécurité sociale de 2022, qui avait déjà étendu le champ de compétences des sages-femmes, cette proposition de loi vient ainsi tirer les conséquences logiques de ces textes en matière de formation. Elle vise un double objectif. D'une part, acter et reconnaître la montée en compétences constante et continue observée ces dernières années au sein de la profession de sage-femme. D'autre part, adapter en conséquence le contenu et la durée des formations universitaires y préparant. Le texte permet d'abord d'améliorer sensiblement la formation des sages-femmes en l'intégrant pleinement aux structures universitaires existantes. Cette intégration permettra ainsi une harmonisation des parcours par rapport aux autres professions médicales et les maquettes de formation à la profession de sage-femme gagneront ainsi en cohérence et en lisibilité. Traduction d'une des revendications phares des étudiants et professionnels du secteur lors des mouvements sociaux en 2021. Cette partie du texte illustre la volonté politique du gouvernement et de notre majorité de cultiver un dialogue social honnête et exigeant, poursuivant les mêmes objectifs de justice sociale et d'efficacité accrue de notre système de santé. Le texte permet également de reconnaître l'excellence des parcours en maïeutique en créant un troisième cycle de formation permettant la délivrance d'un doctorat et par conséquent l'exercice quotidien d'une activité de recherche en parallèle de l'activité professionnelle. Ici encore, la majorité fait le choix d'investir pour l'avenir dans une formation d'excellence au bénéfice de nos professionnels de santé. Le texte permet enfin, conformément aux dispositions du Code de la santé publique, l'intégration de la profession de sage-femme dans la nomenclature des activités françaises. Cette reconnaissance de la réalité concrète du métier de sage-femme est en mesure, une mesure de justice permettant de valoriser une profession qui jusqu'alors, et aussi surprenant que cela puisse paraître, n'était pas reconnue comme une profession médicale. Merci. Pour toutes ces raisons, cher, le groupe Renaissance votera en faveur de ce texte. Je remercie. Merci. La parole est à Monsieur Serge Muller pour le groupe Rassemblement National. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues. Comme cela a été dit par l'Ordre des sages-femmes, nous connaissons aujourd'hui une crise profonde de la profession, car le métier attire moins. Ce manque d'attractivité, dont résultent les difficultés de recrutement dans nos maternités, contribue à dégrader davantage la qualité et la sécurité des soins des Françaises. Cela contribue également à créer davantage d'inégalités territoriales en matière d'accès aux soins. Une réforme visant à rendre le métier plus attractif était donc essentielle, tant pour assurer une bonne qualité de vie au travail des sages-femmes que pour offrir une meilleure qualité de soins à nos concitoyennes.
La profession ainsi que les syndicats étudiants, dont je tiens à saluer la ténacité, sans lesquels nous aurions mis sûrement beaucoup plus de temps à agir, réclamer certaines mesures, à savoir prévoir la pleine intégration universitaire de la formation, le développement de la recherche en maïeutique et la reconnaissance statutaire du caractère médical des sages-femmes. Ces choses faites, les différents articles de cette PPL constituent une véritable réforme. En supprimant le flou qui régnait autour de la profession sur son appartenance au secteur médical ou paramédical. La création du diplôme d'État de docteur en maïeutique, qui était d'ailleurs la revendication principale des sages-femmes, va également permettre de mieux définir leur champ de compétences, qui a connu de grandes évolutions ces dernières années. Cette profession se limite en effet plus simplement à l'accompagnement de la naissance. Les sages-femmes ont vu leurs compétences s'élargir au domaine gynécologique, orthogénique, contraceptif, préventif et éducatif. Elles ont également des compétences en matière d'IVG, de dépistage d'IST, mais aussi de vaccination et bien d'autres encore. Il était donc nécessaire de permettre une refonte de leur formation pour leur bien-être, mais aussi pour la qualité des soins de nos concitoyennes. Il y a également une disposition que je tiens à saluer. Elle peut paraître anodine, mais son importance est en réalité capitale. Je parle ici du statut des sages-femmes agréées maîtres de stage des universités, qui va permettre un meilleur encadrement des étudiants, trop souvent laissés seuls dans l'environnement bouillonnant qu'est l'hôpital. Trop d'étudiantes et étudiants connaissent des symptômes dépressifs lors de ces périodes de stage. On parle également de 7 étudiants sur 10, de quoi participer grandement à la perte d'attractivité du métier et aux abandons en cours de formation. Si l'on veut pouvoir attirer à nouveau, nous devons mieux les accompagner et ce sera, je pense, chose faite avec cet article. Je pense enfin qu'il faut voir cette proposition de loi comme étant la première étape d'une réforme plus profonde. Nous devons tous poursuivre nos réflexions pour y ajouter des progrès et en finir avec les pénuries de personnel dans nos hôpitaux. Il faudra pour cela revoir la rémunération de nos sages-femmes, qui jouent un rôle central dans l'attractivité du métier. À l'heure où le sujet des déserts médicaux est devenu crucial dans mon département de Dordogne, comme dans beaucoup des vôtres, nous sommes tous conscients, au sein de cet hémicycle, de l'importance d'avoir des offres de formation présentes sur l'ensemble de nos territoires, en sachant que les étudiants restent généralement dans les villes où ils ont étudié. Si nous permettons le développement de cette formation et sa pleine intégration universitaire, nous pourrons atteindre des avancées significatives dans l'accès aux soins de nos concitoyennes. Nous sommes favorables à cette proposition de loi et je tiens pour finir à saluer la dynamique transpartisane qu'elle a suscitée. Il faut que nous nous inspirions de ce mode de travail parlementaire, tant réclamé par nos citoyens. C'est comme ça que nous avancerons dans le sens et dans leur intérêt. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Ercilia Soudé pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, cette proposition de loi, selon son exposé des motifs, essaye d'amener des solutions à ce mal-être grandissant et justifié de cette profession pourtant si aimée de nos concitoyens et demande à ce que nous entendions les sages-femmes qui nous disent « On vous fait naître, il faut nous reconnaître ». Dans notre société patriarcale, tout ce qui est perçu comme une affaire de femme est dénigré d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi le parcours de formation des sages-femmes, ainsi que leur statut, reste coincé entre les professions médicales et paramédicales, ce qui ne correspond pas à leurs compétences réelles. Le métier de sage-femme est une profession médicale, et pour que cela soit reconnu, une évolution de leur formation est nécessaire. En cela, ce texte constitue une avancée.
Le changement du nom du diplôme français d'état de sage-femme pour un diplôme français d'état de docteur en maïeutique a une forte portée symbolique. Les sages-femmes ont trop longtemps été placées sous la tutelle des gynécologues obstétriques, alors que pendant des siècles, elles ont procédé seules aux accouchements. En vérité, l'article 60 de la loi du 21 juillet 2009 avait déjà créé un article dans le Code de la santé publique prévoyant que la formation initiale des sages-femmes peut être organisée au sein des universités. En 2012, une circulaire fixait un objectif d'intégration totale de la formation de sages-femmes à l'université d'ici 5 ans, soit en 2017. Échec total, puisque seules 11 écoles de sages-femmes ont franchi le pas sur 35. Ces écoles craignent leur disparition pure et simple, car seules 29 universités disposent d'une UFR de médecine. Certaines écoles pourraient donc être regroupées et disparaître. Il faudrait créer davantage d'UFR de médecine pour remédier à ce déséquilibre, en ne perdant pas de vue que pour les universités, la question budgétaire est centrale et qu'il est difficile d'occulter les années d'austérité qu'elles ont subies. Le rapport de l'IGAS de juillet 2021 recommande d'élaborer un plan destiné à finaliser le processus d'universitarisation sous l'égide d'un comité de suivi national qui réunirait d'abord les différents acteurs. La date butoir proposée du 1er septembre 2027 nous semble bien lointaine. Ceci étant posé, le mal-être des sages-femmes ne saurait de toute façon être résolu par ce texte dont les avancées sont insuffisantes. Il faut absolument qu'elles soient accompagnées d'une revalorisation salariale conséquente et pas sous la forme d'une prime qui disparaît à la moindre absence pour maladie ou grossesse. Un quart des sages-femmes n'ont pas touché les primes et revalorisations engagées en 2021. Quelle absurdité que celles qui aident les femmes à accoucher soient pénalisées quand elles-mêmes accouchent. L'IGAS indiquait par ailleurs en septembre 2021 qu'il fallait revaloriser à hauteur de 600 euros les nouvelles entrantes dans le métier afin de garantir l'attractivité de celui-ci. Il faut également que le personnel en salle d'accouchement soit en nombre suffisant et que les moyens alloués à l'hôpital soient dignes de ce nom. Beaucoup de sages-femmes ont le sentiment de mal faire leur travail, d'avoir toujours un œil sur le chrono, d'être absorbées par la paperasse au lieu d'être aux côtés des femmes qu'elles accompagnent. La question est simple. Dans quelles conditions accepte-t-on que les femmes accouchent et que les enfants naissent? Plus de la moitié des événements indésirables graves survenus en obstétrique seraient évitables selon un rapport de la Haute Autorité de Santé publié le 21 novembre 2022. La surcharge de travail et les sous-effectifs sont mis en cause dans les accidents dans la majorité des cas. À la maternité de Meaux, en Seine-et-Marne, il manque 6 sages-femmes, soit 25% des effectifs, qui même à plein seraient insuffisants. Cela conduit la direction à demander à celles qui restent de faire toujours plus d'heures supplémentaires et aux infirmières de les suppléer sans qu'elles soient formées pour cela. Après tout, l'accouchement est une affaire de femmes. Et ce sont des femmes, où est le problème? Ayez bien conscience de l'impact du manque de moyens alloués à l'hôpital. Une infirmière de Meaux m'a ainsi confié qu'une femme voulait rester plus longtemps car la mise au sein ne se passait pas bien. Quand elle a demandé que cet appel à l'aide soit entendu, on lui a répondu, ce n'est pas grave. Si elle a un problème, elle ira aux urgences pédiatriques et ça fera des sous. Face à ce cynisme, l'infirmière a fait un burn-out. J'ai dû la mettre dehors, m'a-t-elle dit. Le soir, je suis tombée sur mon tapis et j'ai oublié d'aller chercher mes enfants. On m'avait mise en échec. Si notre vote sera favorable, nous espérons donc qu'un geste salarial suivra et qu'un véritable travail sera fait pour améliorer les conditions de travail des sages-femmes et de tous les personnels hospitaliers. Nous avons fait un petit pas. Il n'y a pas de quoi faire la fête, chers collègues, il nous reste tout un boulevard. Merci, Madame la députée. Avant de donner la parole à Monsieur Yannick Neuder pour le groupe Les Républicains, je vous annonce que sur le vote de l'ensemble de la proposition de loi, je suis saisie par le groupe Horizon et apparenté d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Neuder, vous avez la parole. Merci. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, comme toutes les professions de santé, le rôle des sages-femmes, leur domaine de compétences et leur champ d'action n'ont cessé d'évoluer, de s'élargir et continueront à le faire. Ces évolutions portent d'importantes conséquences sociétales et professionnelles.
Toutefois, ces évolutions révèlent le flou qui persiste sur le statut réel des sages-femmes et accentuent leur impression d'être dans une zone grise entre le médical et le paramédical. L'enseignement a connu d'importantes évolutions, mais par à-coup, ne reconnaissant jamais pleinement la profession de sage-femme comme universitaire. À partir de 1992, d'abord en Isère, dans mon département, à la faculté de médecine de Grenoble, avant d'être généralisée à toute la France en 2002, la première année de médecine, PCM1, est devenue commune à toutes les écoles de sages-femmes, faisant passer de 4 à 5 le nombre d'années d'études. Cette année commune a modifié profondément la sociologie des étudiants en maïeutique, puisque les promotions résultent désormais d'un classement commun avec la médecine et l'odontologie, puis à la création de la PACES avec la pharmacie. Cependant, l'hétérogénéicité de l'enseignement perdure puisqu'il résulte de la compétence des régions, créant des disparités sur le territoire national. Depuis la loi de décentralisation du 13 août 2004, ces écoles font l'objet d'une régulation et d'un financement régional. Ce régime correspond à celui des formations paramédicales en dépit du statut médical des sages-femmes. Aujourd'hui, il apparaît donc nécessaire de mieux définir les compétences des sages-femmes et de faire évoluer leur formation initiale. La profession de sage-femme ne se limite plus au seul accompagnement de la naissance, mais voit ses missions largement élargies, suivi gynécologique, contraception, orthogénie, PMA, rééducation périnéale, prévention, éducation. De nouvelles missions leur ont même été confiées plus récemment, consultation de premier recours, IVG, vaccination, prescription d'arrêt de travail, dépistage des IST, rôle accru dans les maisons de naissance. Cette extension de compétences, conciliée à un volume déjà très dense et important de formation, nécessite un ajustement pédagogique pour former au mieux les sages-femmes et leur donner tous les outils nécessaires. Le rôle majeur et renouvelé des sages-femmes appelle donc à une mise en cohérence de leur formation dans un cadre rénové. L'objectif de cette proposition de loi est notamment de créer un troisième cycle d'études portant à 6 le nombre d'années d'études et permettant l'obtention d'un diplôme d'état de docteur en maïeutique sur un modèle se rapprochant du diplôme d'état de docteur en pharmacie ou de docteur en chirurgie dentaire. J'ai moi-même été saisi plusieurs fois par les étudiants en maïeutique, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en tant que vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils attendent donc cette révision avec impatience. La mise en place de ce troisième cycle permettrait d'étaler le contenu des connaissances à acquérir, mais aussi d'ajouter de nouveaux enseignements afin de les former à l'élargissement du champ d'intervention des sages-femmes. C'est pourquoi, convaincu de l'opportunité et de l'utilité publique de cette proposition de loi qui tend à universitariser la formation des sages-femmes, le groupe Les Républicains votera pour l'adoption conforme de ce texte. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Emmanuelle Ménard en tant que députée non inscrite. Madame la présidente, Madame la ministre, monsieur le rapporteur, madame la présidente de commission, chers collègues, héritières d'une sagesse millénaire, les sages-femmes nous mettent au monde et prennent soin de nos mères, dans les instants de vulnérabilité que sont ceux de l'enfantement. Une vocation plus qu'une profession, tant leur art se rapproche de l'intime et du sacré, puisque c'est entre leurs mains que la vie est confiée. Des mains qui, depuis quelques années maintenant, ont pris leurs plumes pour nous écrire, nous avertir, nous alerter sur la dégradation de leurs conditions de travail. Le constat est malheureusement sans appel. Les hôpitaux perdent des sages-femmes et simultanément peinent à recruter de jeunes diplômés qui ne souhaitent plus y exercer, fatigués par les conditions dans lesquelles on leur demande d'exercer leur mission et le non-respect de leur statut médical. Le Ségur de la santé avait bien apporté quelque espérance, mais les mesures prises sont demeurées insuffisantes pour restaurer une attractivité professionnelle perdue. Épuisées de ne pas être entendues,
bon nombre d'entre elles ont rangé leurs blouses au placard, engendrant une pénurie sans précédent de sages-femmes au sein des maternités comme en ville. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les radiations des sages-femmes en âge d'exercer enregistrées par le Conseil de l'Ordre ont augmenté de 112% au cours du premier semestre 2022. Un phénomène qui contribue mécaniquement à une accélération de la dégradation des soins prodigués. Inédite pour la profession, cette perte d'attractivité n'en est qu'à ses débuts. Près de 20% des places en deuxième année d'études de maïeutique sont restées vacantes lors de la rentrée 2022. Une tendance qui pourrait s'inverser si les sages-femmes étaient mieux considérées, mieux reconnues. C'est ce qu'elles demandent et c'est ce que nous leur devons. Leur statut doit évoluer et à minima être clarifié. Tantôt reconnues comme médicales, notamment lorsque leur responsabilité pénale peut être engagée, leur profession redevient paramédicale dès lors qu'il s'agit de lui accorder quelque avantage. La perte d'attrait de la profession s'explique aussi par un niveau élevé d'études, 5 années à ce jour, mais qui n'est gratifié pour les sages-femmes hospitalières débutantes que d'un salaire oscillant entre 1600 et 1800 euros par mois. Une situation d'autant plus injuste qu'elles ne peuvent ni bénéficier de certaines primes accordées aux médecins, ni compléter leur salaire en ayant une activité mixte, c'est-à-dire en exerçant à la fois en ville et à l'hôpital plus de 3 ans dans leur carrière. Dès lors qu'il est proposé, comme c'est le cas aujourd'hui, de pallier ce défaut de reconnaissance, je ne peux qu'être d'accord, sans pour autant être dupe. Car nous le savons, si nous voulons véritablement et durablement traiter la question de l'attractivité de cette profession, c'est en réalité la question des conditions de travail et des moyens engagés pour l'hôpital public qu'il faut traiter. Or, malgré les nombreuses promesses du gouvernement, notre système hospitalier reste extrêmement fragile. Si cette proposition de loi n'est que la première pierre d'une réforme qui devra être d'envergure, elle a au moins un mérite. Permettre l'intégration universitaire de la formation initiale des sages-femmes, ainsi que la création d'un troisième cycle court pour les étudiants en maïeutique. Cette création devrait d'ailleurs permettre la clarification du financement des formations initiales qui relève actuellement de la seule compétence des régions. La mise en place d'un troisième cycle court devrait normalement replacer la filière maïeutique au sein de l'université, les régions n'ayant pas compétence pour délivrer un diplôme de troisième cycle. Dans un souci de cohérence, il est donc urgent de resituer la formation et son financement sous la responsabilité des universités. L'occasion également d'octroyer aux sages-femmes un statut de bi-appartenance qui leur permettrait d'exercer leur profession tout en enseignant à l'université. Un plus pour les étudiants en maïeutique, difficile dès lors de comprendre pourquoi cette possibilité leur est catégoriquement refusée. Enfin, s'il est prévu que la formation des sages-femmes se déroulera prioritairement au sein d'unités de formation et de recherche en santé, il est à noter que toutes les universités n'en sont malheureusement pas dotées. La formation des sages-femmes à l'université ne doit pas dépendre de la hiérarchie des médecins, mais doit être distinctement positionnée à leur côté, à l'instar des chirurgiens-dentistes qui exercent une profession médicale à compétences définies, comme celle des sages-femmes. Vous l'avez compris, je soutiendrai ce texte, car il est une avancée indispensable. Mais ne nous leurrons pas, il reste beaucoup à faire pour redonner confiance à cette belle profession, trop longtemps délaissée. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La discussion générale est close. J'appelle maintenant dans le texte de la commission les articles de la proposition de loi. Je mets aux voix l'article 1er. C'est à main levée, chers collègues. Qui est pour ? Qui est contre ? L'article 1er est adopté. Je mets aux voix l'article 2. Qui est pour ? Qui est contre ? L'article 2 est adopté. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix la proposition de loi. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 111, exprimés 111, majorité 56, pour 111, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté.
Prochaine séance demain à 9h. Question orale sans débat. La séance est levée.